Bonjour pour nous toutes. Aujourd'hui, c'est samedi 23 avril 2022. Nous bien contents ensemble avec vous. C'est la reprise puisque samedi dernier nous pas ensemble avec vous parce que c'était congé. Nous tenons week-end de Pâques et émission 1, bien évidemment t'es chômé t'as cours à pilote programme de Radio Ibo. Et content de rejoindre nous. Aujourd'hui, c'est 23. Retenons la dernière émission encore, après l'émission aujourd'hui pour le mois d'avril. Là. En pile, c'est pour nous parler dans l'émission aujourd'hui. Nous prenons le gagnant pour nous ensemble, ouais, actualité sportive là, sous plan local. Et t'as qu'à dire dans l'émission aujourd'hui, nous prenons particulièrement pour nous faire regarder qui s'est fait pendant l'année ça pour la sélection nationale, en fait, pour les sélections nationales. Parce que dans le football, là, il gagne en pile activité. Et si nous considérons une grosse équipe garçon hein, qui joue match amical, si nous considérons une équipe féminine U20 qui a joué éliminatoire mondial pendant le début d'année, si nous considérons une grosse équipe féminine hein, qui est qualifiée pour le dernier tour éliminatoire, si nous considérons une équipe U17 féminin hein, qui est actuellement en République dominicaine, côté demain, Ligue match pour le jouer dans le cadre éliminatoire mondial tout. Donc, bref, gagne en pile activité. Et dans l'émission aujourd'hui, on a pris le focus particulièrement sur le football, mesdames, avec gros équipe là, qui est adversaire dans le cadre de dernier tour éliminatoire. États-Unis, Mexique et Jamaïque, c'est adversaire Haïti. Et tirage très compliqué. On a gagné pour nous parler de ça et perspective yo par rapport à phase éliminatoire ça. Et puis, équipe U17 là, tant qu'on se dit tout à l'heure, qui gagne rendez-vous en République dominicaine demain face à Cuba. Donc, U17 féminin, Haïti, Cuba, c'est demain. Équipe ça, c'est Awol Edman qui a entraîné. N'a pas gagné pour nous parler de ça. N'a pas gagné tout pour nous, ouais, quelques autres nouvelles. Tant que football à l'échelle internationale, Bayern Munich, après le jouer tout le concert contre Borussia Dortmund, c'est ça qu'en Allemagne, il y aurait les Der Klassiker, le classique ou El Clasico. Eh bien oui, Bayern contre Dortmund et Majodia, les gagnants ont un jeu particulier. Si Bayern gagne, il est tout champion d'Allemagne mathématiquement. Donc voilà, Bayern, sur le point pour le remporter, ils ont 10e Bundesliga, ils ont pris l'autre. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons regarder la domination terrible ça, du Bayern en Allemagne, qui ça qui explique, pour qui ça le parent campé, et perspective à tout par rapport aux autres championnats majeurs de l'Europe. Est-ce que ça arrive déjà en France? Est-ce que ça arrive en Allemagne? Comment ça qu'on y est du côté de l'Italie ou de l'Angleterre? N'a pas gagné pour nous faire un bon petit parler sur ça. N'a pas tout actualité football là en Angleterre. Matin, on a gagné en première partie de cette journée en Premier League. T'es un choc entre Arsenal et Manchester United dans l'Emirates Stadium, non? Donc à Londres, la CAI Arsenal. C'est un match important pour les deux équipes dans la bataille pour top 4 là. Duel ça, c'est Arsenal qui gagne. Arsenal qui bat formation Man United là, 3 goals à 1. N'a pas gagné pour nous parler de ça. Il sera question également de duel à distance entre Manchester City et Liverpool. Bataille pour le titre de champion d'Angleterre. N'a pas parlé de ça. N'a pas tout l'actualité du football en Espagne. Demain, gagne Football Club Barcelone face à Rayo Vallecano en Liga. Et jeudi, gagne finale de Coupe d'Espagne. Pas gagné en journée normale de championnat espagnol week-end ça. N'a pas gagné pour nous regarder. Donc, ces deux affiches, la finale de la Copa del Rey et ce match Barça Rayo Vallecano. La Ligue des Champions qui arrive semaine prochaine, n'a pas un coup d'œil sur Champions League là et gagne match mardi, gagne match mercredi et mardi particulièrement. Mardi 26 avril, demi-finale aller en Angleterre, Manchester City face à Real Madrid, évidemment grosse bataille hein entre deux équipes ça yo. Gagne tout en mercredi en Liverpool Villarreal n'a pas gagné pour nous barou détails sous quelques détails sur match ça. Et puis il sera question de basketball NBA, playoffs yo était à poursuivre hier soir. On va faire le point sur résultats qui sorti yo dans NBA hein. Côté hier soir par exemple Phoenix Suns imposé malgré l'absence de Devin Booker. Phoenix Suns bat équipe New Orleans Pelicans là, Suns a mené 2-1. N'a pas tout que Milwaukee a mené 2-1 sous Chicago et hier c'est couru Milwaukee couru avec équipe Chicago. Chicago qui prend pi mauvais cal les jambes prend à domicile
dans les playoffs. Et puis, il y a un match aujourd'hui à tout, particulièrement à Soya, il Brooklyn contre Boston, qui est adoué un véritable choc. C'est quasiment un do or die pour Brooklyn, dans la mesure où Boston a mené 2-0 dans la série. Ça n'a pas bien pour nous parler de ça. Donc voilà, on a émission en Sportmania bonus week-end plein couseux. N'a pas tourné à l'heure, la première pause, et à tout à l'heure. Allez, Dino, BNC avance tout bon. Banque nationale de crédit, travail pour la vie ou plus facile. BNC, on a ici, en toute sécurité. Gardez bien, pratique pour transaction électronique. BNC, ça c'est bon, pas bon, pas bon. Banque toute génération, BNC monter niveau. Ah oui, la pique est pour piller, vendre. Acheter quoi tu veux, à qui on t'a débit, BNC. Ils ont appris à m'aligner tout côté. La nuit coule, la journée côté ouvert. Depuis qu'un tout environ, ça c'est pas pour tout le monde. Transaction à faire. Au service de toutes les générations. Voilà, de retour pour suite Sportmania bonus week-end sur Radio Ibo. Alors, tant qu'on soit tout à l'heure, nous avons un pile sujet dans l'émission à vous nous. Mais il y a cinq majeurs, cinq sujets majeurs. En général, nous avons cinq sujets qui sont importants que nous débattons. L'autre, c'est plus de sujets secondaires. Donc, on commence avec Bundesliga parce que dans quelques minutes encore, Bayern Munich va commencer à jouer tout à l'heure contre Borussia Dortmund, et match de championnat d'Allemagne. Et c'est une autre journée hein, dans Bundesliga et qui est capable, et qui est décisif parce que Bayern a tout champion jeudi samedi. Et nous pas souvent parlé de Bundesliga dans l'émission 1. Ici là, parce que bon, faut nous pas grand pile le temps et souvent nous prenons un sujet pour nous développer et en profondeur. Et en Allemagne, c'est quand même football cap joué, c'est quand même un championnat top 4 dans le monde. Il y a quand même gagné une gros équipe là-dedans, créé les Bayern Munich, donc il est toujours bon de temps en temps pour nous faire parler de championnat ça ou que nous pas parler tout le temps. Yo. Ouais, et l'autre jour par exemple, un gros ami qui dit moi mais qui sont gagnés avec l'Italie, qui sont gagnés avec Serie A, bah moi parler du championnat d'Italie. Et il a peut-être raison parce que nous pas rester sous lit, nous plus focus sur le championnat d'Espagne et le championnat d'Angleterre. Émission ici à et particulièrement Sportmania, c'est d'accord, une émission d'élite. Et oui, nous parlons de l'autre championnat. Pendant que je dis ça, nous avons parlé de championnat d'Italie. Hein, mais ce n'est pas lui-même qui occupait plus de place dans l'émission. Hein, ouais. Et Sportmania, c'est particulièrement l'actualité de nos sélections nationales, qui très souvent prend pile place. C'est également le football espagnol, c'est le football anglais. Et puis, de temps en temps, tout NBA. Par exemple, la dernière émission que nous avons faite. Hein, ça gagne 15 jours, c'était pour nous faire une sorte de recap sous saison régulière là, et au regard de bataille pour MVP particulièrement. Nous faisons un bon chita sous ça. Et donc voilà, de temps en temps c'est comme ça. Et actualité, donc menez-nous en Allemagne aujourd'hui. Libéré en Allemagne parce que tant qu'on dit, Bayern Munich est capable de tout cas au championnat. Là, jouer contre Dortmund qui c'est rival. Mais on a dit de qui rival parler parce que. Bayern champion, up champion. Chaque année, depuis maintenant 10 saisons. Alors, c'est le champion week-end. Ça. Et c'est ça que fait dans le titre que nous probablement ouais, sur les réseaux sociaux. Yo. Moi, je mettais Bayern Munich, puissance 10, point d'interrogation. Parce que le titre, il n'y a pas gagné, mais il y a un ballotage vraiment largement favorable. Parce que de quoi s'agit-il? Il y a 30 journées qui jouent déjà en Allemagne. Ok, donc il était 4 journées, parce que son championnat a 18 équipes. Donc il y a 17 matchs aller, 17 matchs tournés. Donc ça fait 34 journées au total. Et dans 34 journées, hein, il y a 30 qui jouent déjà. Il était donc 4 journées pour le championnat fini.
Bayern Munich gagne 72 points. Dortmund gagne 63 points. Donc déjà gagne 9 points de retard, 9 points d'écart entre deux équipes. Bon, ça veut dire qui ça? Si par exemple je dis un match nul qui sorti entre Bayern et Dortmund, et quand 9 points a prêté et n'a à 3 journées de la fin. Donc déjà on monde qu'a anticipé pour dire ah bon, même un match nul Bayern titre là parce que écoutez Dortmund n'est pas qu'à faire plus que 9 points après ça. 9 points à mettre l'égalité à Bayern, même si Bayern a perdu tout le match Lyo. Et l'on a des différences goals là, parce qu'en Allemagne, c'est ce qui compte pour départager deux équipes qui ont la même quantité de points. Et m'ont dit, Tato, même si donc, deux équipes ont fini à même quantité de points, et bon, on rend compte que Bayern a un avantage terrible au niveau de différence goals là. Il est plus 60, alors que Dortmund a plus 33. Donc, et quand là encore immense. Et on peut donc se dire que ah, Bayern Munich est Bayern est champion. Ouais, Bayern est champion, mais par prudence et par pour être correct, parce que dans le métier ça ou pas qu'à dire on bagaille fait tout au long beaucoup fait et ou qu'à toujours faire analyse ou qu'à toujours dire que Bayern est champion et 1 2 3 mais ça fait me dit ça et, mais ou pas qu'à dire les champions. Mais c'est ça que fait, par exemple, le type de cas ça arrive, gagner un concept, une expression que journalistes européens ou particulièrement utilisés, ils disent, équipe là, virtuellement champion. Donc c'est une façon de dire que, ah, mon cher, il n'est pas champion de la réalité, parce que tout autant le programme est qu'un de points, côté, il n'y a pas qu'à joindre ni peu importe ça arrive, tout autant le programme. Quatre figures, ça, ou pourquoi parler de champion, mais le bas, elle apparaît aussi évidente que j'en parle avec Bayern, Munich, Borussia, Dortmund, ça là. Mais on dit que, bon, virtuellement champion. Donc, virtuel, c'est comme pour dire que c'est pas encore la réalité, mais il y a champion. Donc, voilà, c'est le cas du Bayern actuellement là. Maintenant, son domination terrible. Bayern, on le sait, en Allemagne, c'est plus gros club là. Il y a une plus grosse tradition, il y a passé plus gros joueurs, il y a plus l'argent, donc il y a plus gros joueurs, il y a payé joueurs plus bien, les installations, son stade qui c'est un modèle en Europe et en termes de technologie, de belles stades, son symbole et de la domination bavaroise, son club tout qui vraiment super bien géré, hein, super bien géré avec des nègres qui ont tête sous épaule, qui pas fait dépenses n'importe gens, ils ont calculé chaque grain euro qui a sorti et là au fond ils ouais sous maquette là, sous marché transfert, on a l'impression nèg t'a mouri même parce que il y a pas de Dreyfel et ça c'est le Bayern et ça a expliqué déjà pour qui ça son équipe qui est autant dominateur et là juste garder gens que l'équipe ça malgré la pandémie chaque année depuis maintenant 24 ans yo fait profit chaque année yo dégager profit et c'est moi quoi c'est seul club en Europe qui présentait souvelé bilan financier exceptionnel ça et ceci malgré des situations adverses terribles. Pendant d'autres équipes super endettées, surendettées avec cause de COVID-19 qui mettait au tout-touni, un petit clin d'œil au Barça. Mais d'autres équipes aussi comme l'Inter de Milan ou la Juve, endettées mais également qui a perdu l'argent. Comme si les hauts sorties étaient financières et puis ouais que c'est perte qui a fait. Ou grand pile équipe et qu'on s'ajoute aujourd'hui en Europe et COVID là, j'aime dire là, retirer sa viette là sous yo. Et météo tout ni. Donc, où est très clairement que Yotap vive et vraiment, vient au deal aux États-Unis, paycheck by paycheck. Ça veut dire si c'est et soit rentrer à ou tout dépenser, ou toucher, ou dépenser tout, ou toucher, ou dépenser tout, eh bien, ça arrive à très simple, c'est que le jour, chèque la vie dans l'État, eh bien, ou pas qu'à payer bill ou faut faire prêt, faut prêter ça à 4 autres amis, ça, faut tirer sous 4 de crédit à pour payer bill yo. Donc, d'où dette cap montée. Eh bien, Covid là mettait en pile l'équipe dans cette situation ça.
Oui, ça me joue là. Bayern, c'est vrai que le revenu a diminué avec Covid, parce que Covid, là, qui ça le fait, il fait que ou pas t'es capable de billets, ça ou les billetteries, l'argent fait dans la billetterie. Match des revenus, qui c'est l'argent qu'on fait le jour du match. À savoir, les gens qui achètent des tickets, les gens qui ont une boutique, qui ont acheté des maillots, etc. Eh bien, match des revenus, hein, pendant pratiquement deux saisons, c'est un match qui tend vers zéro. Et première année Covid, là, c'était un gros frappe. Et toute saison net Stade Blanche et année qui vient après c'est jusque dans mi-temps saison ils ont commencé à faire et de lever quelques restrictions et permettre donc que stade ka recevoir moun et même là ont vienne ka recevoir moun yo pote ko jam ka recevoir moun foule et en Allemagne même go période ils ont fin ka recevoir moun foule après ça ont rediminué encore parce que vienne gagner des variants de virus là qui a frappé mon tête, donc il est obligé de prendre des mesures qui sont plus importantes que faire l'argent dans le stade. Donc voilà, c'est Bayern, t'es vive ça et tout. Mais il se trouve que même si on pas généré profit que t'es atteint, t'es qu'à générer, même si on baissé en termes de revenus, mais au style et a fait profit pour montrer nous, Jean-Claude, ça a très bien géré. Et par exemple, on a l'impression qu'il y a un problème avec dette. Et, ou bien, il a fait dette, mais il faut vraiment, il ouais, que son bagage capral et des clubs là avancés et au pape Kimbe d'être là pour longtemps. Comme nous, un exemple, le Stade Allianz Arena, par exemple. Stade Allianz Arena, l'un des fait que Feli, son stade, que il a fait prêt pour le faire. Et c'est un prêt pour le faire fin payer sur 25 ans. C'était ça le deal au départ. Ils ont commencé à payer, pas un problème, ils ont payé. Et puis ils vont côté, ils ont payé off dette là. C'est-à-dire qu'ils ont payé dette là au total. Donc, ils ont fini. Ils n'ont pas doué encore sur Allianz Arena. Et c'est un gros coup parce que, bon, dès qu'on dit dette en pile fois, on parle de dette à intérêt. Et très souvent, c'est ça que fait un pile monde peut faire dette là. C'est que, ou vient à payer prix bagaille beaucoup plus cher, l'on vient ajouter montant l'argent total qu'on paye en fin de compte. Donc, voilà, yo donc stade ça a gagné pour yo kounya chez maîtresse, et son stade qui est inauguré en 2005, qui t'a coûté un peu plus de 300 millions d'euros. Et donc, 2005, sous 25 ans plus tard, son prêt était supposé fin payer en 2030, même quoi que son prêt au fin payé depuis au moins 5 ans. Au moins 5 ans, si ce n'est pas plus. Donc, voilà. Et Bayern, c'est ça. Son série de Mundou, son club tout qui disait tout, qui vient le faire. Il dit que, mon cher, moi-même, c'est un qui était joué football, qui connaît l'histoire club-là, qui connaît la tradition club-là, qui connaît sa club, ça y est. C'est eux pour diriger. Et Bayern, à travers des années, c'est ça. Bayern, c'est depuis Uli Hoeness qui était joué dans le club blanc et qui depuis plus de 40 ans maintenant au service du Bayern comme dirigeant. Eh bien, il a commencé avec monsieur. Et puis après ça, quand Heinz Rummenigge dit « Kalle », monsieur passé tout le club blanc. Et li, avec Uli Hoeness de Nexao, particulièrement c'est eux qui base Bayern Munich. Là. Et ouais, je vous dis là, progressivement, après les Koyo. Mais yo make sure que Moun Kabvin Abrea, un, c'est ton légende du club, et deux, son Moun comme si yo formé pour ça. Parce que oui, ou gen doit être légende du club là, ou gen doit être joué dans le club là, mais sou pas gen formation pour faire management là. Parce que c'est deux jobs différents. Le souterrain jouer football, ok, c'est très bien, ça c'est talent ou travail, et puis ok, tu as fait la carrière et qu'on connaît. Mais. Vous n'avez rien à diriger, à manier de l'argent, prendre des décisions qui juste pour aider le club là et continuer à exister, continuer à faire succès, ça sont l'autre bagaille, sont l'autre costume pour mettre sous. Et par exemple, nous avons formé Oliver Kahn pendant pratiquement 3 ans. Comme d'habitude, Monsieur Rité, tout côté nous avons fait Monsieur là. Les gars là avec lui pour Monsieur comprendre les clubs là qui ont un club qu'on sait gérer. Ils ont passé et t'as qu'à dire patrimoine. Oliver Kahn, c'est ancien goalkeeper sélection allemande là, qui fait des années tourner à Bayern Munich. C'est un mec qui a une grosse longévité au Bayern. Il n'a pas toujours joué au Bayern. Monsieur était dans Karlsruhe, hein? C'est un petit club. Et puis, bon, monsieur vient dans Bayern après ça. Et puis, voilà. Et Bayern et Kouniala, c'est monsieur directeur général Bayern Munich. C'est monsieur directeur général Bayern.
toujours supervisé un peu de loin. Parlait Ulionès et Collins Rummenigge, mais je dis à deux grosses têtes, c'est Herbert Heiner, qui lui-même c'est un gros actionnaire, parce que monsieur n'était pas trop Adidas, et Adidas c'est une firme qui gagnait action dans Bayern Munich. Donc, Herbert Heiner, kounya, monsieur, c'est un président qui fait office de président directeur général, et puis ou gagne un directeur général là qui c'est Oliver Kahn. Donc, structure, c'est qu'on s'allie qu'on y a là. Donc, ça baille en expertise à deux niveaux, la réalité du terrain et la réalité, dit, des bureaux. Donc, on a gagné tous deux et comme ça, on a passé, soulevé et flambeau by génération à venir. Peut-être que puis devant, on pourra avoir un balak. Peut-être que puis devant, on pourra gagner un. Bon, Mataus, peut-être pas, parce que je pense que c'est le top gain déjà. Ou quand il venait un Kimmich après. Ou quand il venait un Philippe Lam après ça. Et d'ailleurs, Lam, je suis retraité très jeune. Et peut-être que monsieur bien aime un type de. Bah, ça, on voit tout, c'est le président du comité organisation Euro 2024, là, qui a bien fait en Allemagne. Et monsieur, c'est, je dis à la, de temps en temps, le consultant pour des médias britanniques. L'autre jour, j'ai lu un bel article qu'il a fait sur Carlo Ancelotti, de Guardian. Et je pense que monsieur était entraîné avec Ancelotti. Ancelotti était entraîné avec monsieur dans Bayern. Et monsieur, bah, une anecdote, mais même, monsieur dit que. Le Lydie Ancelotti l'a quitté parce que dernière année il l'a fait avec Ancelotti. Ancelotti pas d'accord parce que Ancelotti estime que monsieur jeune, monsieur pile bagay li kabay toujours dans le football de haut niveau. Et puis bon, là me dit non, son décision a arrêté, me réfléchis en pile et me prend décision. Bon, le Ancelotti ouais vraiment pas convaincre monsieur. Ancelotti dit monsieur, mon cher, mais comment ça passé? Tout vient à jouer, monsieur pas de vle, parce que monsieur était vle vraiment déconnecté à football pendant un petit temps. Philippe Lam. Donc voilà, c'était un aspect dans la chronique ça, que monsieur était rédigé pour le Guardian. Voilà, donc une façon de dire qu'au Bayern, c'est sa institution. Hein, yeah. Bon, maintenant, tant qu'on me dit, il y a le champion d'Allemagne, si c'est pas week-end ça, c'est week-end Cap Vini. Et ça pourrait le faire 10 titres consécutifs de Bundesliga. Depuis Jupp Heynckes était entraîné l'équipe ça. Et c'est monsieur qui t'a fait au fait triplé historique Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne et Bundesliga. Un an après, il a fini perdu finale contre Chelsea en tir au but. Nous songez défaite ça en 2012. Donc voilà. Maintenant, où gagne Bayern depuis le ça, depuis 2013 là, la championne d'Allemagne s'est arrêté. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait long. Et 10 ans, 10 saisons de domination en Allemagne. Bon, sans partage. L'orga des histoires football européen à travers les championnats majeurs. Ça, c'est sans précédent. 10 titres affilés, c'est sans précédent. C'est-à-dire, tu n'as jamais eu ça dans l'histoire des championnats majeurs européens. Et bon, bien évidemment, il y a des gens qui estiment que c'est peut-être ça même qui fait Bundesliga. Il ne pas suivre, parce que ça qui fait valeur compétition hein, ou bien beauté ou bien côté spécialisé parce que vraiment pas qu'on est qui est cap champion et parce qu'on pas qu'on est qui est cap champion vous l'ai dit que gon niveau de compétitivité élevé maintenant si ou déjà qu'on est qui est cap champion en tout à ce moment ce niveau de compétitivité là est presque pas existé et il qu'a existé pas ailleurs. Parce que la Bundesliga, aussi, on ne peut pas réduire la Bundesliga à la bataille pour le titre. Parce que il y a 9 matchs qui ont joué chaque journée. C'est peut-être 2, 3, 4 équipes, et ceci dans tous les championnats, qui ont bataille pour le titre. Donc, mais chaque match qui ont joué. Il y a l'autre objectif, il y a l'autre enjeu. Il y a une équipe qui c'est l'Europe qui a laissé rentrer là-dedans. Il y a une équipe qui a essayé de faire Ligue Europa. Il y a une équipe qui a essayé de ne pas descendre. Tout ça, à un niveau ou à un autre, a bien intérêt à la compétition. Je peux te dire, par exemple, que je dis à Leipzig, Leverkusen, et Fribourg,
trois équipes ça yo, yo non mon choix actuellement là. Son grand point qui sépare yo. Et n'a parlé de troisième, quatrième, cinquième. Là. Dans trois équipes ça yo, gen yon kap domine de yo, dans course pour top 4 là. Ça, son belle bataille liée pour la Ligue des Champions. Pour une qualification en Ligue des Champions. Et ça serait quelque chose de tellement extraordinaire de voir Fribourg en Ligue des Champions. Fribourg, son petit club, et qui n'a pas gagné en pile histoire dans le championnat allemand. Et donc, et voilà, actuellement là, il est aux portes du top 4. Il était trois journées. Et Mdagen doit dire que, bon, il est encore capable de faire des bagailles et intéressant. Il a créé surprise là, et devancer Leverkusen ou Fribourg pourquoi, ou Leipzig, pourquoi pas. Donc, voilà, il y a l'autre intérêt, mais véritable intérêt qui guide un peu le monde qui a gardé le championnat, c'est qui est-ce qui est champion là-dedans. Et depuis quelques temps, Bayern retire challenge là. Il retire challenge par rapport à tout ça, nous dit là-haut. Et puis, de temps en temps, tout, il casse les concurrences là. Il est clair que, par exemple, Jürgen Lewandowski, c'est un ancien joueur du Borussia Dortmund. Loga des effectifs, je vous dis à l'autre jour, par exemple, il prend entraîneur Leipzig là. Julian Nagelsmann. Et Leipzig, c'était ces dernières années le premier concurrent du Bayern. Si ce n'était le premier, c'est le deuxième. Là. Donc, on dit Dortmund à Leipzig, de toute façon, you know lot. Et l'autre prend entraîneur ça qui était. Il y a une bonne raison que fait Leipzig était côté lié à. Et puis au prend Marcel Sabitzer qui c'est un bon joueur, en plus que Sabitzer à Bayern pas même vraiment utilisé. Ou gagne tout cas ça, et de joueurs ou de figures dans le cas adverse que Bayern prend et qui affaiblit la concurrence. Bagaille ça, Bayern prend pile critique pour lui. Moi-même, je comprends, et parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est un bail comme on a exagéré, hein, Léo dit ça, parce que, exagéré parce que quand même, oui, il y a eu Lewandowski, mais ça date de longtemps. Bayern fait un bon 3-4 ans, si ce n'est pas plus. Il n'est pas recruté du tout. La caille, équipe Sayo, qui c'est rival Lio. Et juste pour, par exemple, période de 2016 à jusqu'à 2020, pratiquement, Léo prend Ligue des Champions, hein. Et Bayern était à effectif là. Des joueurs comme Lewandowski, comme Coman, comme Nabri, comme Thomas Müller, comme Kimmich, et comme Goretzka, et Nexayo, c'est des joueurs du Bayern depuis quand même quelques temps. Mais il se trouve que, par exemple, qui te dirait, et la domination du Bayern t'a fait et en Allemagne et en Europe et sous tranchement dit là de 2016 à 2020. Et puis boum, Negori vont côté, il dit faut rebooster effectif là. Il prend d'ailleurs pas Mikanom parce que c'était le dernier, mais lui c'était un ancien du Leipzig et c'était un joueur clé équipe Leipzig là. Bayern prend. Après voilà, les passages seulement. Maintenant, je vais dire que je comprends parce que ça crivait. Pas oublier son club qui pas voulait dépenser n'importe qui gens. C'est pas qu'il n'y a pas rien comme là, non. Mais il pas dépenser n'importe qui gens. Parce qu'il croit que l'institution est plus importante que tout le bagaille. Il dit que qui ça passe? Al acheter un joueur, par exemple, tant qu'on grille pour 111 millions, même pas qu'on est 117 millions, ou bien pour un joueur tant qu'on Maguire qui coûtait 88 millions, ou bien tant que Pogba qui coûtait 120 millions, eh bien, les gars disent, tiens, mais. Et dépasse ça, il n'est pas. C'est pas une dépense efficiente. C'est-à-dire, le bagage qui est rapport qualité-prix. Prix ou acheter bagage là, et qualité bagage là. Je veux dire, c'est un ratio que, évidemment, il est difficile, il est souvent difficile pour mettre chiffre sous qualité. Mais là, on fait bagarre la bio, regardez, vous dites, monsieur, regardez ça, n'est que ça a porté pour moi, et puis regardez la jambe de dépenser pour lui. Au Bayern, il a dit que, eh bien, on a fait l'autre gens. Si par exemple, Paul Pogba, quand on a un rendement de 7
et puis le coûter 120 millions. OK. N'a prenez qui cabam un rendement de 6 et puis qui coûtait 30 millions. Est-ce que le papi bon pour me faire comme ça? C'est ça, oui, calcul nèg yo. Qui font ouais ou même c'est dans sa bite sœur et yo n'a pas mécano. Par exemple, ou pas mécano, il pas faire une grosse saison. Maguire pas faire une grosse saison non plus. Donc c'est comme d'adoucer oui Maguire cabon 6 ou 10. Mais ça qui passe bon, si ou pas mécano cabon 5.5 sur 10. Pour qui ça m'oblige de dépenser deux fois plus dans Maguire hein pour pratiquement le même résultat. Bayern, c'est comme ça le réfléchit. C'est comme ça réfléchit sur Achalio et une erreur fois où t'es trompé au sous bagage ça et c'est là où prend Lucas Hernandez après Coupe du Monde là. Moi je crois que j'ai payé trop cher pour Lucas Hernandez. J'ai payé 80 combien millions pour lui et pardon et oui c'est ça presque 80 millions pour lui. C'était une défenseur qui était plus cher et à l'époque et Lucas Hernandez et écouter les yeux de la tête et jusqu'à présent me dit mais comment est-ce que t'es fait dépenser ça. Ben, là, on regarde le contexte, on regarde la conjoncture dans la période là, on va pouvoir pour qui ça, c'est parce que ils ont commencé à gagner de très mauvais résultats dans la Bundesliga et ils ont dit que, écoutez, en pile pression fanatique tout, hein, en pile pression fanatique tout, Bayern est obligé, ils font ce qu'ils collent et puis ils montrent aux fanatiques que bon, ils ont qu'à. Écoute, il y a fait de gros dépenses tout, si vous voulez, et notamment de des joueurs importants. C'est pas que Lucas Hernandez pas un bon joueur. C'est un joueur très polyvalent, assez solide, qui cabo, presque même rendement comme arrière central ou comme arrière latéral. Mais 80 millions pour lui, les autres prennent en 2019 là. Mais moi, je trouve que c'était un bagage qui était, et en 2018 là, c'est un bagage qui était exagéré. Il était exagéré. Et donc, voilà. Bayern, c'est en pile rationalité dans dépense li. Maintenant ça bon qui ça ça bon domination ça. L'autre jour par exemple m'a feuilleté dernier rapport football Money League que cabinet des lois réalisé chaque année et Bayern numéro 3 je veux dire en termes de club qui générait plus revenus sous la terre. Et c'est Manchester City premier, Real deuxième et puis Bayern troisième. Le Barça qui était comme premier dans le classement ça, il est tombé quatrième. Maintenant et Bayern c'est 611 millions d'euros de revenus générés sur la dernière année. Et c'est presque deux fois plus que ça d'autres monde généré. L'offre fait tout comme ça et ou capable payer joueur plus bien. Et sous capable payer joueur plus bien, joueur lui même c'est des choix de carrière et joueur lui même l'a fait option qui puis on pour lui les bras côté comme là en plus que club ça plus qu'a fait le gain tout. Voilà, donc voilà lui-même là les côtés gagnent plus Cobla et puis côté Cabal plus option champion. Bayern sont destination longtemps plus attrayante pour joueurs en Allemagne que pour que l'autre club yo. Donc voilà, dit tête mon cher, si m'pas pour Bayern, c'est comme si me sont raté. Donc voilà, en tout cas, pour toute raison, ça y est, Bayern a dominé le championnat allemand. Par exemple, je compare effectivement Bayern, je vous dis, avec pas Dortmund là. Bon, Dortmund gagne de bons joueurs. Dortmund gagne Erling Haaland, il gagne Marco Reus, il gagne Jude Bellingham qui sont bons joueurs et le meilleur jeune joueur au monde. Il gagne Mrechan, il gagne. Bon, deux arrières pas mal. Zagadou avec Akanji, deux arrières centrales, Julian Brandt dans l'équipe ça. Moi, je pense que c'est une bonne équipe. Et peut-être tout que l'on a tête adversaire Bayern. Que on dit que, mon cher, nous pas qu'à battre à Bayern. Et que c'est un combat perdu d'avance. Et moi, je regrette, le baptême des, par exemple, président et d'autres mondes, Hans Joachim Watz, que, monsieur, à qui veut l'entendre, il a souvent dit que il a même pour deuxième place cette bataille. Mais l'orgueil est un président de club qui dit ça. Mais pour moi, c'est une mauvaise posture parce que. C'est comme si voyez autour vinn connaît que pas de problème pour Bayern battre. Parce que même bord là d'accord ça. Mais si c'est mindset ça, on pas jamais capable ou pas jamais capable battre équipe ça qui est numéro 1. Ou pas jamais capable faire mieux que lui. Parce que ou dit tout que ou pas dans niveau. Parce que match là l'a gagné, l'a gagné dans tête ou en vent. Pareil sinon dans ça. Avec sous pas jouer contre équipe là, ou pas jouer contre adversaire.
Et puis, où dit en tête ou qu'on perdu déjà? Ça veut dire, souterrain, hein, tu ne vas pas faire l'effort nécessaire pour gagner. Point final. Et si tu ne fais pas l'effort nécessaire pour gagner, tu ne vas pas gagner. Ouais, tu ne vas pas gagner. Donc, moi, je trouvais que ça, comme président du club, on ne peut pas dire ça. Et parfois, Bayern, il y a des problèmes ça à tout avec les d'autres montures. C'est que Bayern, certains dirigeants du Bayern, croient que. Nèg d'autres montures, yo manqué côté ça à la caillou, côté caractère ça pour dire yo que non, mais nous cal bataille tout pour nous gagner Bayern Munich et puis on peut le faire. D'ailleurs, écoute, en 20 périodes de domination ça, 10 ans de suite là. Dortmund était champion d'Allemagne deux fois de suite. 2011 et 2012 avec Jürgen Klopp déjà hein. Pour les plus jeunes qui voient Klopp dans Liverpool, qui peut-être pas connaît Klopp avant, mais Klopp était dans Borussia Dortmund et monsieur était canné équipe ça. Quoi monsieur fait 5 ou 6 ans dans Dortmund et monsieur champion d'Allemagne et sous Bayern plusieurs fois. Donc c'est aussi ça, mais sous garde profil entraîneur qui vient après yo, nèg yo Jose, donc on dit yo là yo pas là et écoute on, OK, n'après le jeu pour Ligue des Champions. Non. Parce que oui, il y a un problème, non, qu'effectivement Bayern avec les Kimmich, les Neuer et Thomas Müller, Lewandowski, etc., capable plus puissant, oui. Mais Bayern, Dortmund gagnant effectif de qualité. Dortmund gagne de bons joueurs. Et il était qu'un champion, mais ouais, il a perdu des matchs, il a perdu des points pour pas perdu, il a perdu des matchs pour pas perdu, et il va jamais capable profiter donc de faux pas Bayern, yo. Et puis finalement, il est d'accord comme ça tout. Yo d'accord comme ça tout et puis bon sous d'accord comme ça bah qu'un gens pas fait comme ça et la privé comme ça et puis on s'en fout pas mal, on est deuxième, on est content et puis bah il y a même chaque année l'apprenti yo moi crois que gain ça tout là dedans et donc voilà. Et maintenant me t'ai dit m'a regarder ça au regard de ça qui a passé ailleurs et me t'ai dit nous que 10 sites affilés hein, que Bayern sur le point pour le prendre là et match là à peine commencé, c'est l'histoire précédente en Europe. Parce qu'en Espagne, de temps en temps, dans tout championnat majeur, on joue ça. On joue des équipes de jeu qui dominaient en période. L'équipe là, qui a non dynamique côté tout à fait la marché, il a fait cob, il a gagné plus bon joueur, il a gagné plus bon entraîneur, et l'équipe est respectée, et adversaire peul, et puis ils ont installé une dynastie. On joue en France, par exemple, je dis à là, c'est Paris Saint-Germain. Paris sous 4 titres affilés là. Alors pardon, yo t'ai 4 titres affilés pendant les dernières décennies. Yo prend 2014, 2015, 2016 et 2017. Hein? C'était une période en or pour yo et puis après ça, Monaco vient casser et puis on rebalance encore. Et c'est vrai que on rebalance là et Nice casse feu yo et l'autre jour là encore. Et en fait pas Nice mais Lille plutôt. Et moi dis Nice parce que entraîneur qui a entraîné Lille elle des champions. Hein? C'est même monsieur Clan en Nice Kounia. Donc Lille et Monaco cassé feu Paris Saint-Germain pendant les dernières années, mais il faut savoir que sur la décennie 2010-2020, grosse période côté Paris était prend 4 titres de champion de France de suite. C'est une grosse domination et qui était commencé avec Ancelotti, le champion avec yo en 2014 là. Et puis après ça, on vient joindre Laurent Blanc. En fait, Laurent Blanc fait trois affilés tout. Laurent Blanc prend trois titres de champion de France et l'un après l'autre avec Paris Saint-Germain. C'est une belle période. Bon, maintenant, on regarde, domination ça, c'est pas de pigo domination. Donc, tu es dans le football français. Pigo domination football français, c'est Lyon qui fait. Là encore, les plus jeunes peut-être pas songer, mais Lyon, entre 2002 et 2008, avait dit 2002, 2003, 2004, jusqu'à 2008, Lyon champion de France 8 fois affilée. 8 fois affilée, c'était une grosse période de domination qui était commencée avec Jacques Santini. Hein? Jacques Santini, c'était entraîneur équipe ça. Jacques Santini, c'était ancien sélectionneur de France. Et monsieur Barreau Titlan, en 2002, après ça, Vingegaard, Paul Le Guen. Paul Le Guen prend 3. Et qui est Gérard Houllier prend 2. Et puis Alain Perrin, moi, quoi, c'est le dernier. Alain Perrin prend
Brayoul. Donc, si vous faites compte là bien, on va voir que ça fait 8 ou 7 titres de suite que l'équipe Lyon a été prend entre 2002 et à, entre 2002 à 2008. Donc, il va arriver 10. Il va arriver 10. 10 là, tant qu'on me dit tout à l'heure, les 100 précédents, ça baillonne sur le point pour les réaliser week-end ça en Allemagne. Mais vraiment, Lyon, c'est ton gros causé. Lyon, c'était vraiment, c'est un paquet à fait. 7 titres affilés, imaginez-vous bien. Avec l'époque ça, Juninho Pernambucano, qui était seul maître et seigneur championnat de France football là. Et c'est un footballeur impressionnant. Donc voilà. Alors, m'a dit que Ancelotti était pris premier titre Paris. Tout à l'heure, m'a dit en 2014, mais c'était en 2013 plutôt. Ancelotti prend premier en 2013. Laurent Blanc vient faire suite là en 2014, 2015, 2016. Alors, à Monaco et Stopeo, une grosse saison avec Leonardo Jardim. Et puis, 3 années après Paris champion encore. Et puis, Lille vient casser feu encore l'année dernière. Donc, voilà, c'est comme ça le thé. Donc, voilà, pour dire que cette période de domination en France, il n'y a pas allé plus que 4 ans sous dernier décennie hein, et pas plus que 7 ans sous l'histoire. Lyon, c'est lui qui fait une longue période de domination avec 7 titres affilés. Qui commençait avec Jacques Santini en 2002 et qui finit avec Alain Perrin en 2008. En Italie, c'est tout récemment, et c'est une grosse période de domination comme ça, avec la Juve. Juventus de 2012 à 2020, chaque année le champion. Chaque année le champion, et moi songe Antonio Conte, c'est lui qui a commencé à Chine. Hein? Je prends 3 premiers, 12, 13, 14. Après ça, le bail Allegri Foncout. Allegri prend 5 yon après l'autre. Allegri aller li bay Sarri qui gagne en prend yon. Et puis voilà, ça fait 9 titres affilés. Yo té nan bataille pour prendre 10e nan, mais yo perdu. Inter de Milan vin champion en 2021 qui mettait fin donc à domination sans partage que Juventus te gagne. C'est domination qui plus proche sa Bayern a fait en Allemagne. La domination de la Juve sous dernière décennie. Juventus, c'était vraiment dans classe à part. C'était vraiment dans classe à part et dans Serie A. Et des joueurs vraiment qui ont beaucoup plus de maturité, un effectif qui grandit ensemble pendant pratiquement 8-9 ans. Ça. Et puis, ils ont su aussi faire les changements à temps. Et il y a des joueurs qui viennent entrer dans la machine qui partent là au début avec Conte. Et bref. Malheureusement, Juventus s'est trompé un petit peu sur la fin. Il n'y a pas trop comme ça au tape fait et dans le projet et quitter Allegri parce que Allegri n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il prend Sarri, ensuite prend Pirlo. Mais on a l'impression troublé un petit peu par changement de direction. Ça, il retourne à Allegri. Donc, c'est une sorte de méli-mélo et qui expliquait pour qui ça. Et Juventus vient d'antigène rentrer dans les rangs. Et après. Après période de grande domination, ça. En Angleterre, ou pas jouer une domination sous long terme, ça. En Angleterre, il y a eu Manchester United récemment qui était prend 3 titres affilés, 2007, 2008, 2009. Ils ont fait l'avant tout sous période de côté sur Alex Ferguson, des joueurs comme Dwight York, David Beckham, Andy Cole. Ils ont fait 99, 2000, 2001. Hein? Avec 99 ans qui était en année charnière côté où tu prends et triplé historique là, en battant le Bayern en finale et en fin de match, il a fait 2 goals en temps additionnel, ça qui a prêté une plus belle page histoire football Manchester United, plus belle page histoire Champions League là, même si c'est une belle page pour l'Angleterre mais douloureuse pour l'Allemagne, avec une équipe Bayern qui était sur le point pour le remporter le titre là et puis le perdu en toute fin de partie. Et équipe ça, Samuel Kufu, pas que monde qui oubliait l'image ça, Samuel Kufu qui a gagné arrière central, qui a frappé à terre, qui criait pour la suite parce que Bayern perdu le titre là, il a perdu là. United ça, t'es dominant. Mais en Angleterre, on pas joué une domination ça. Je peux vous dire par exemple que le mot monter l'histoire mal gardé par exemple 76 à 90, t'es une période comme ça. Là on parle de 15 ans pratiquement. Côté Liverpool, tu prends 10 titres. Mais c'est pas affilé. Avait dit les fois elle prend 3, yo campé après ça elle prend 3, yo campé après ça elle prend 2, il redémarrer etc. De 76 à 90, l'équipe la plus dominante dans le football anglais, c'était Liverpool. C'était Liverpool et mais par exemple, prend plus que 3 titres affilés pendant la période ça.
ou venez l'Espagne tout. L'Espagne gagnait période de domination totale tout dans le club. Mkabbanou, par exemple, le Barça de ces dernières années. Il a quand même pris 8 titres en 11 ans, nous changeons, bah, ça a été fait un pile parler. Et Valverde t'a dit ça. Malheureusement, je ne suis pas arrêté un prophète de malheur. Et mais, monde qui était lucide dans la période là, comprenez ça, oui. C'est monde qui est intelligent et. Bon, entre guillemets, fou, qui. Eh non, il faut envoyer Michel aller parce que c'est Michel Prétrop et Montada, etc. Mais, Michel t'a dit que. Nous prenons Liga, chaque année nous prenons Liga. Il était deux Ligas affilées vraiment. Deux dernières années, 2018 et 2019, je crois. Et même, nous avons minimisé ça. Mais gagner Liga, si on ne peut pas minimiser, et comme si on équipe comme champion d'Espagne. Championnat d'Espagne, là, c'était jusque-là, championnat numéro 1. Livin perd du première place là au profit de l'Angleterre, ce n'est que sur les deux dernières années, avec justement 2019, le. Il a fait finale 100% Angleterre et Liverpool Tottenham. Non. C'est depuis le A que flambeau a passé et que l'Angleterre vient numéro 1 dans le championnat européen. Mais qu'une équipe capable de gagner Liga, Jean-Ernesto Valverde a fait là. Et, écoute, Ligue est valeur. Li. Maintenant, ok, on comprend. L'équipe a perdu et Ligue des Champions de manière stupide. En demi-finale, j'ai repensé de gros score. Mais après ça, nous venons ouais, que le problème n'est plus profond que ça. Ce n'est pas ton problème Valverde, bien au contraire. Parce que Valverde, lui, il gagnait. Il gagnait. Mais nous sommes sous euphorie des fêtes et tragique que l'équipe a pris dans la Ligue des Champions. Je voulais que je suis allé, même si je trouvais que le club a fait un bon travail tout bord là, parce que je n'ai pas vraiment pris l'impression ça. Et je voyais tout est du côté de Valverde pendant un bon temps. Ce n'est qu'après, bon, et il a venu changer Michel. Et il a changé Michel en coup de saison pour prendre Sétienne. Le Michel allait, il était leader du championnat. Et puis Sétienne, tu as voulu changer par Yonet. J'ai perdu 2-3 matchs. Et puis Sétienne, bah, j'aime qu'arriver au fait équipe là. Il y a dynamique pour le gagner. Et puis cette année-là, il a perdu le titre là. Il a perdu le titre là. Et après, nous avons vu une quantité de difficultés de gagner pour une équipe championne d'Espagne. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Atlético champion, Real champion, et même Real Caro champion. Là. C'est-à-dire que depuis, justement, Ernesto Valverde, le Barça, par exemple, retourne champion d'Espagne. Il prend l'an 2019, l'an dernier, il prend l'an. 2020, c'est l'année coronavirus, là, Real Madrid champion. 2021, Atlético Madrid champion. Et puis, 2022, là, le Real Madrid a volé là, à toutes ailes pour l'Ouest, il a gagné Liga, que le presque gagné. Donc, ça fait 3 ans de disette pour le Barça en Liga. Et pourtant, on était couru derrière et Ernesto Valverde. Donc, une façon de dire que pour moi, tout n'est pas fait domination. Hein, bah, équipe Barça, tu as fait 8 titres en 11 ans. Et il ne fallait pas sous-estimer ça. Maintenant, 8 titres en 11 ans, ce n'est pas déjà mon 4 affilés. Mais le 4 affilés pour le Barça, il était existé sur l'autre période. Le 4 de suite. Il était pris. 91, 92, 93 et 94. Avec belle période, de Johan Cruyff était entraîneur d'équipe ça, Romario Farias da Sousa était là tout pour équipe Barça. Et période de domination ça, 4 titres de champion d'Espagne de suite du Barça, t'es venu tout de suite après en l'autre période de domination mais du Real. Qui est même avec la Quinta del Butré. T'es pris 5 ligas affilées, 86, 87, 88, 89 et 90. Real, t'es pris 5 ligas affilées dans la période de ça. Et la période de Maradona, t'as fait la pluie et le beau temps en Italie. Mais en Espagne, Real, ça t'as crasé moun. Même si on n'a pas de succès en Europe, dans la Ligue des Champions, hein, ça a été les Coupes d'Europe des clubs champions avant ça. Il n'y a pas de succès à ce même période ça. Et après ça, Barcelone une fait domination par la Liga, 4 titres de suite, dont une Ligue des Champions, les mêmes en 92. Donc voilà, et en Espagne, donc des périodes de domination, il y en a un peu partout dans le football européen, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre et en Espagne, j'en sous tout là. Mais je veux dire, 9 titres affilés, voire 10 tant que Jean, il risque de faire des week-ends ça, ou si ce n'est pas week-ends ça, le week-end prochain. Et c'est vraiment sans précédent pour le Bayern Munich. Voilà. Faut que nous dégardions ça, et au regard de l'autre championnat majeur, nous sommes bien contents de parler ça sous l'Allemagne et sous le football européen, en sorte de comeback et retour sur ce qui passait déjà.
N'a propose l'un tourné nous quelqu'un pour nous parler de l'actualité football là, au niveau sélection nationale nous yo et puis bien évidemment l'autre point pour nous tant qu'au championnat d'Angleterre mais également l'actualité de la Liga espagnole de mes Barcelone a joué et la Ligue des Champions tout semaine prochaine semble lié basketball NBA quand pile causer pour nous parler toujours n'a tourné. Unitransfert 21 à 22 février 2022, Unitransfert a inauguré 3 écoles dans le grand site pays. En plus de travail de reconstruction de l'école, Unitransfert a 900 bourses d'études sous 3 années pour que les gens prennent bon genre l'instruction. Reconstruction 3 écoles, distribution 900 bourses, c'est possible grâce à tout client Unitransfert. Dans le tout le monde qui est dans le grand site pays, Unitransfert a dit tout client Lyon. Merci. Parce que c'est grâce à qui vous faites travail sur Rive Fête. Ou même qui c'est client Unitransfert, ou mettre fier parce qu'on participe à la reconstruction de 3 écoles qui étaient écrasées dans le tremblement de terre 14 août 2021. Ou même qui peut client Unitransfert. Qui sont aptes? Vini vite. Vini jouer une équipe cap guerre. Vini jouer leader. Vini jouer Unitransfert. Bon, dis chaque fois qu'on transfert avec Unitransfert, c'est encourager Unitransfert à réaliser un pilote bel projet pour la population. À partir de jeudi à même, des pour besoin de faire ou bien recevoir transfert, choisis Unitransfert. Unitransfert dans tout pays. Libre plusieurs options. Ou qu'à faire un vrai transfert sous compte dollar ou dans Unibank. Qu'on s'attend ou qu'à chercher l'argent ou dans un bureau Unitransfert. Mais aussi qui s'en Unibank. Ou bien qu'il y ait agent autorisé qui pipe ou là. Ou à jouer un bon jeu service. Unitransfert à Corée éducation. Et ou même, Unitransfert, c'est leader. Nous rapide, nous garantis. Unitransfert, c'est WAP. Dans le dernier jour, ça y est, professionnels santé yo enregistré dans le pays d'Haïti en pile ka gratel ou soit gal. Gal, c'est une maladie moun gen sou peau. Ou ka trapel facile. Ou ka prendre dans contact avec un autre moun qui gagne elle ou soit dans tout ça ou utilisé qui contaminé. Rad, drap, zorye, serviette, mouchoir et latrier. Depuis ou gen gal, ou ap senti ko ou ap gratte ou. Li ka ba ou yon bon ti bouton a gros plak sou peau. Depuis ou remarqué ou kon sa, se kouri presse aller nan sante santé ki pi pre ou la. Docteur ou soit infirmier a pran soin ou. Songe pou evite gal, pa kole ak moun kap gratte sans rete. Toujours bien ak savon ak l'eau propre. Bouyi ou bien désinfecter tout bagay ou ap servi, rad, drap, zorye, serviette, mouchoir et latrier. L'ouvri fenèt ak pot kayou pou soleil rentre. Se yon message Institut Panos. Ak semaine ke kontan, toujou gen la joie. Lè ou paye abonnement ou. Avant le coupé, c'est plus chaîne, plus plus. Ou jouer avantage ça, c'est lè ou paye dans n'importe boutique, ou soit kay distributeur nou yo, tant kou Mon Cash, Soje Bank, l'argent cash. Semaine ke kontan, c'est plus programme pendant 7 jours. Abonnement à partir 650 gouttes. Pour toute information sur adresse ou dans Port-au-Prince ak nan province, relez dans 29 46 41 41. Ou soit aller sur www.canalplus-haïti.com. Hey, nous avons des outils, neufs, matériaux construction, avec appareils électroménagers, sous seul côté qui numéro 1. Visitez-nous dans MSC Plus, nous l'ouvrons du lundi au samedi, de 8h AM à 5h PM. Dans 44 boulevard 15 octobre, et au carré les nous dans 29, 45, 77, 77. Depuis plus passé de l'année, Banque Centrale mette sous pied une plateforme électronique qui est ProNap pour moderniser la façon de transaction qui est faite dans l'économie. Avec ProNap, BRH a la possibilité de faire transaction sur n'importe ATM qui est connecté sous système à 4 débits en banque, en coopérative ou soit toute l'autre institution financière Banque Centrale reconnaît. Anissi là, ProNap grandit.
Banque Nationale Crédit BNC fait connecter sous Pronap. BNC sous plateforme Silla, même gens à côté Lam, Coples, Capital Bank, Sogé Bank et Unibank. Eh bien, Koulia, les vignes plus facile pour faire transaction à Cap Pronap. Avec 4 ça, de pour joindre un ATM sur auto qui gagne le GoPro Napsoli, dans 2 minutes, ou qu'à retirer l'argent et puis contrôler compte en sécurité. Qui ça va attendre pour réclamer 4 débits ou bon côté institution Paola? Parce que, avec 4 tout, ou gérer tant pis bien. Pour plus d'informations sur Pronap, visitez site BRH là, www.brh.ht ou soit relez centre contact là gratis sous 82-74. Oh chérie, grâce! Mes amis, l'entendez tout réel ça yo. Pour ta comprendre ces bat nèg la bat femme là oui, c'est pas le cas. Femme a dit merci grâce, produit ça grâce qui mette ménage sous deux pieds militaires qui fait le tour non taureau. Ou même tout, lorsque tu rendez-vous d'amour, pas le faire bec à terre, grâce à mettre au campé jam, pas gagner raté goal, grâce mettre garçon sous. Voilà, de retour pour suite Sportmania bonus weekend là pour aujourd'hui là, aujourd'hui qui c'est 23 avril 2022 ou sur Radio Ibo et nous allons parler de football féminin haïtien kounya. Alors on a dit compétition yo presque yon entre dans l'autre et ou presque pas gain temps pour digérer et yon compétition qu'on est rentré dans l'autre compétition. Ça crive là, c'est que dès demain, à 7h du soir, Haïti a joué contre Cuba. Haïti a joué contre Cuba, c'est éliminatoire mondial, et mesdames, yo. Donc, Haïti non poule qui gagne Salvador, qui gagne Guatemala, a joué contre Cuba demain soir, en République Dominicaine. Ensuite, mardi, à 7h du soir, Haïti a joué contre Salvador. Et puis, Haïti a fermé phase de poule LIA contre Guatemala. Donc deux adversaires centra-américains pour nous, plus un adversaire qui a sorti dans les Caraïbes là, qui c'est Cuba. Alors pour la sélection haïtienne, évidemment, c'est objectif là, c'est Coupe du Monde, mondial ça a fait en Inde, année ça, la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. En Inde, sorti 11 octobre pour arriver 30 octobre 2022. Donc, Haïti, dans bataille. Petit joueur de Sayo, c'est jeune, parce qu'on a parlé quand même de U17, c'est de Timoun. Il est en concentration depuis environ 2 semaines en République Dominicaine. Lisse joueuse convoquée qui est en sortie, c'est Aole Edma, un vieux de la vieille qui a entraîné l'équipe football ça. Aole Edma a été entraîné dans le football les garçons. Il était sélectionné au national U20 à une époque. Et il était entraîné club Babo ici. Donc, M. Kounia a dirigé l'équipe féminine U17. Là. Les joueurs haïtiens ou les joueuses haïtiennes convoquées, deux gardiennes, c'est Rosemani Joseph et Sarah Evangéliste. Au niveau de la défense, il y a Fabiola Saint-Fleur. Et Pierre-Lyne Sénat, Mirlanda Jean, Diolanda César, Rose Bertude Rosenville, Rastali Océan et Ketchmaï Michel. Milieu de terrain,
Rachel Comper, Nerly Similien, Wadia Justin Chéri et Rose Colline Xavier. Attaquant yo, gagnent Mise André Rebecca Dorleus, Walangina Syriac, Chris Love Caramus, gagnent Tourniz Joseph, Widlin Scholl, Daddy Love Cher Enfant et puis Ansi Love Wanch. Ça, c'est mesdames musiciens qui prennent la bataille dès demain et y en a poule qui gagne Guatemala, Salvador et Cuba. Alors, dis-nous ça, ou choti dans senior mesdames yo l'autre jour là, et puis Walteri dans U17 féminin. Je connais que en général, bagayo le map gade yo, moi essayer analyser au sous différents angles, des fois sous des angles que ou pas forcément entendre l'autre monde et analyser yo et c'est aussi ça Radio Ibo, mais faire cap là seulement pour année ça pour nous rendre compte de qui quantité challenge qui devant Fédération haïtienne de football, comité de normalisation ça, en termes de planification, de logistique, de préparation des matchs, du lieu côté à recevoir match, etc. Ça fait beaucoup. Bon, juste ben nous en idée. Ou gagne U20 féminin qui était joué en moins de la durée pendant l'année ça là éliminatoire mondial. Nous songez les États-Unis bah aussi 6-0. États-Unis wash qui tape marché Batman et équipe UV féminin, ça, t'es en compétition. Ou soit c'est dans UV féminin ou dans senior féminin, côté, t'es gagné deux étapes. T'es gagné une série de matchs en février, t'es gagné une série de l'autre en avril. Équipe ça qui fait 44-0 sous 4 matchs, hein, avec Ile-Vierge Britannique, Saint-Vincent, Honduras, Cuba, tout prend pas, et équipe féminine, ça. Ensuite, gagné garçon, yo. Gros équipe garçon 1 qui l'autre jour t'es Miami dans match amical contre Guatemala. Et après ça, ou gagnent U17 féminin ou pral rivé là, nous parler de yo. Gen Ligue des Nations pour messieurs qui a commencé en juin, gen 4 matchs à venir, moi connais par exemple que gagne préparation pour équipe ça, même si gagnent peut-être au état sur une série de points, mais il y a préparé le parce que l'équipe ça Ligue des Nations est extrêmement important, l'équipe ça c'est vitrine les supposés l'équipe masculine senior c'est ligue plus populaire et même si ces derniers temps mesdames yo gan pile en pile monde yo peut-être même un peu plus yo bien chanté suivre sélection féminine senior là parce que public haïtien ouais que peut-être les gagne plus chance faire de belles bagarres avec équipe féminine là que équipe garçon hein. De toute façon, depuis quand même quelques temps, football mesdames yo rivé des côtés que football messieurs pas arrivé. Dans la mesure où, écoute, au niveau UV féminin, par exemple, nous faisons Coupe du Monde. Hein? Et au niveau UV, non seulement nous faisons Coupe du Monde en 2018, mais deux ans après, nous avons manqué, fait back-to-back mondial, c'est notre tir au but, perdu contre Mexique. Donc voilà, ceci étant dit, c'est quand même un bel bagaille pour le football féminin, pour le football haïtien. Hein? Football messieurs, pas arrivé dans le niveau ça, même si nous étions quand même demi-finalistes à la Gold Cup en 2019. Mais ça n'a pas remplacé en participation à la Coupe du Monde, on est d'accord. Et donc, mesdames, yo, en pile fanatique ces derniers temps, mais Ligue des Nations, hein, son point crucial, moi, qu'on est à comme dit le pire préparation, Haïti a joué deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur, quatre matchs en juin, et à venir contre Bermude, contre Guyane anglaise, il a joué deux fois. Il a joué ensuite contre Montserrat, moi, quand il a commencé à Bermude, il y a eu pour y aller. Contre Montserrat ensuite, il a joué moins quoi à domicile contre Montserrat. Alors, l'aime dit à domicile, il faut bien comprendre que à domicile pour Haïti désormais, c'est pas en Haïti, mais c'est nous qui avons gagné et c'est nous qui avons équipe receveuse. Et Haïti, tu as deux joueurs matchs en République Dominicaine. Selon ça, m'apprenne, c'est Saint-Domingue qui a pris le jeu match. Et quand pile monde qui est aux États-Unis, qui souhaite que le match là, c'est aux États-Unis le jouer, mais bon, et c'est plus. Il y a plus convenance dans la République Dominicaine, nan, apparemment moins cher, et puis, bon, ou certains qui ont gagné avantage terrain, hein, vraiment, parce que ou a gagné plus Haïtiens qui ont supporté que Moun Montserrat, par exemple, ou que Moun Bermude. Ou bien que le monde guyane anglaise. Donc, certainement, on a un feeling d'être à domicile parce que chaque haïtien qui vit en République dominicaine. Donc, voilà, il y a la préparation à ce niveau-là, mais nous connaissons que l'important pour l'équipe de la France, c'est un stage solide. Et le staff technique, là, a gardé ça, qui est capable de faire un stage parce que saison club, après le joueur en Europe, a fini autour de
de 18, 19, 20 mai comme ça, on mettait jusqu'à 23, 24. En général, comment on fait préparation ça, on compte bay joueur en semaine break pour déconnecter à longue saison au saute faire et puis yo tourner et dans yo tourner dans activité sélection. Mais le problème c'est que tu as ton premier match le 4 juin. Le 4 juin. Donc sous bay joueur en semaine ou pas même gain plus qu'en semaine pour faire stage là. Parce que on est qui finit par exemple le 22 ou ballon semaine ou gain 29 et ou veut le 4. Donc ou à peine en semaine pour préparer. Peut-être que ce n'est pas optimal parce qu'une fois commencé le 4 là, pas besoin de pile temps de préparation parce que je crois que le match c'est 4, 7, 11, 14. Les 4 matchs. Donc, c'est 3 jours seulement gain entre les matchs. Si vous prenez tout le voyage quoi, bien pour faire, ou par exemple, au saut de Bermude, voyager pour aller Saint-Domingue, recevoir Montserrat, ensuite aller Guyane anglaise et puis tourner encore Saint-Domingue pour jouer, écoute, ça fait un pile monter à avion, monter, descendre. Donc, ou après, elle perd du temps tout. Parce que l'on prend un avion comme ça, l'on fait criver, ou pas qu'à courir, elle mettait trop charge de travail sur vous. Et pas oublier, c'est des joueurs qui sont dans une saison qui est très longue, en pile n'a eu joué. Hein, en pile n'a eu joué. Et au point d'être à coup, du 15 saison, bon, qui, il est vrai lui-même, mais je dis à la, l'Ipana panorama sélection nationale, là, en ce sens que son équipe qui est en conflit ouvert avec Jean-Jacques, et bah, ça n'a pas semblé pas le résoudre de matin. Et, les plus semblés en Ligue des Nations qu'après jouer sans monsieur, en tout cas, pour le moment, sous sa indication au bail, c'est ça le montrer, dans la mesure où pas ouais on est fort de fédération hein, pour essayer de changer la situation. Ça, pas ouais volonté à non plus la carrière joueur, en tout cas, ça ne s'est pas manifesté et, publiquement. Pas gain de nouvelles non plus que gain effort qu'a fait en background. Et pas ouais non plus motivation ça beaucoup de sélectionneurs lui-même pour résoudre le problème ça. Donc t'as quasi son bagage qui n'ont point mort et maintenant il y a peut-être le travail des joueurs et coéquipiers yo par exemple l'autre jour moi Brian Alcéus semblait t'es dit monsieur mon cher tourner la sélection nous besoin mais et, comment ça va se faire je ne sais pas et donc alors t'as pris exemple Nazon pour me dire que Nazon jouait Randy Pierrot jouait, Carlin Sarku jouait, Nek Sao jouait en pile match et pendant la saison. Et jouer en pile match là avait dit que Gonjan pour doser préparation yo, et, par rapport à la Ligue des Nations. Maintenant, échéance ça, nous avons fait tirer tes souliers parce que préparation yo a fait actuellement. Je vous dis à 23 avril, on va jouer le 4 juin. Donc, en temps normal, dans non moins, pour un pile d'un joueur convoqué yo, qui pourra le convoquer yo, non moi saison yo a fini. Et automatiquement saison yo fini, maintenant il faut voir et comment stage la va le passer, qui côté stage la va le faire. Côté stage la va le faire là le crucial parce que ou non situation côté qui ça joue a fini en Europe, est-ce qu'on font stage en Europe pour yo? Ou après réunir tout le monde en Europe. Est-ce que les de manière logistique est-ce que le bon? Parce que oui, ou gagne pile joueur en Europe. On t'a dit que joueur tant que Franzi Pierrot, tant que Carl Lenz, tant que Brian Alcéus, qui est même en Europe et qui c'est des joueurs qui l'a longtemps dans la sélection nationale là, qui est capable de jouer pour nous. Et on dit que vous voulez tourner, à tourner. Parce que jusqu'à présent, Jean-Jacques l'a expliqué la dernière fois, lui-même, il comptait sur joueur ça. On va parler de Carl Lenz, de Franzi Pierrot, de Brian Alcéus. Je voulais Léo. Mais je vois ça aurait été simple pour venir parce que il a pas senti accompagnement fédération, il a pas senti que fédération haïtienne football dit OK, on a pas le résoudre problème prime de match, n'a pas entraîné sous bon terrain, si une blessé gain assurance qui pour couvrir nous, quand pile joueurs qui ont peur depuis ce rassemblement en République dominicaine l'année dernière. Ben, qualité terrain pas de bon et c'est pas vraiment un environnement souvelé pour sportifs de haut niveau, pour sportifs professionnels. Et ça c'est un sujet pour l'administration et apparemment et pas un changement que pourrait le faire dans niveau ça. Oui, ça capable arriver que l'équipe là l'y entraîner son bon terrain mais ça pas empêcher non plus que joueur blessé. S'il blessé, pas oublier que en pile dans joueur, on l'avait dit hein, yo en fin de contrat, dans pile qui était refusé convocation en équipe nationale là contre Guatemala, c'était yo était avancé ça, hein, qui était au concentré à club yo pour faire une grosse saison et puis comme ça convaincre dirigeant pour bah prolongation de contrat parce que joueur là manage carrière tout. Et on est d'accord. Donc maintenant, admettons qu'on gagne joueur ça a retourné, qu'on y a là, faut bah garantir ça, hein, que y a touché prime de matcho, le pour toucher, que y a assurance qui a couvert aussi une blessure quelconque, et
que ça pourrait le faire plus bien en termes d'organisation autour de la sélection nationale. Tu as tout ce problème et tout ce lot de problèmes qui est capable d'affecter la préparation sélection nationale. Ça. Et puis, comme tu as dit, qui côté et stage là, fait. Le stage, il faut un stage grand minimum. Pour moi, grand minimum, il faut un stage et une semaine full. Et là, je me dis une semaine, non, je ne vais pas parler d'une semaine côté et pendant 3 jours, il y a 8 joueurs. Après ça, sous 4e jour, il y a 9 joueurs. Et puis, sous 6e jour, il y a 15 joueurs. Non, et, non, je vais parler d'un stage full une semaine côté au moins, il y a 95% effectif ou dans le monde. Quand on grand joueur, par exemple, on connaît que Neki aux États-Unis, yo, probablement il a pris plus tard. Et parce que même, il a encore appelé MLS là, c'est libéré MLS, ça va le libérer. Le club MLS va le libérer. Il y a même, on est avec Derek Etienne, probablement il sera l'un des derniers à arriver. Probablement. Donc, voilà. Et maintenant, au moins qu'on est sous 23, ou qu'on a un bon 21 joueurs, comme ça, on va faire stage la foule, plein. Donc, voilà. Maintenant, moi pensais que ça l'est important pour mon écoute en fait stage là parce que faut chercher proximité par rapport à couteau le premier match là par exemple premier match là c'est quand même mieux bon est-ce qu'après le fond stage après tout fait stage la République dominicaine maintenant il faut voir sous qui terrain est-ce qu'après le fait stage là dans Antilles là t'as qu'à Martinique et Guadeloupe et par contre et on côté comme ça et vous faites stage là bien et puis après ça vous montez ou à les Bermudes. Donc bref, tout ceci est à voir. Donc je pense que fédération grand pile travail et là m'a parlé de Ligue des Nations mais on pas parler de Coupe du monde mesdames, yo, dernière phase là arrivée en juillet. Là encore, faut qu'on stage sérieux. Moi attendez sélectionneur national là et Nicolas Delpine et qui parlait avec responsable communication fédération haïtienne football yo très bon travail hein? Et responsable communication fédération hein? moi toujours aimé dire ça parce que là ça pas bon moi son est qui deal qui souvent est même est assez critique vis-à-vis d'une série de attitudes ou positions ou décisions de la fédération haïtienne de football et mais bon ça qu'a fait qui bon yo me passer le bon tout pour nous dire que bon et moi penser que de point de vue de la communication et moi regarder en pile moi très réseau social moi-même moi regarder en pile les fédérations à travers le monde m'a perdu il m'a parlé de à travers le monde et me pas ouais en pile fédération pour me pas dire me pas ouais fédération qui gagnait en présence assez soutenue comme ça et en termes de présentation de contenu de valeur contenu yo, et sous réseau social yo maintenant la communication on le sait, c'est un tout. Il n'est pas seulement en présence sur les réseaux sociaux. Il est également, et les gens ont adressé certains problèmes et fait public là qu'on est au tout. Sous pas parler tout son communication. Et me trouver, et ça a été critiqué, par exemple, que Fédération, malheureusement, passait trop de temps sans parler. Et c'est comme si ou bien, tout le monde doit penser qu'on n'a pas pris grand, hein, ou bien qu'on n'a pas care. Alors que quand pile bagaille qui t'a mérité que les dirigeants ou parlent en leader, c'est ça, toi tu prends des positions ou tu prends des décisions. Oui, décision n'est pas toujours correct, c'est normal et c'est comme ça. Ou tu es amené à prendre des dizaines de décisions chaque mois et sur un paquet de sujets, des sujets que nous ne pas même vraiment connaît mais on va décider sur eux. Par exemple là, équipe féminine U17 là, en République dominicaine, mais la décision d'aller en République dominicaine depuis 2 semaines, c'est ton décision. Il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on a pris aller une semaine avant? Est-ce qu'on a pris aller 2 semaines avant? Qui s'en a fait? Est-ce que l'équipe ça a grand pile talent pour nous bailler toute l'énergie ça là-dedans? Etc. Ça, c'est des décisions qu'après, nous pas même au courant de toutes décisions. Donc, il faut décider. Et donc, l'eau dirigeant, c'est ça. Tu n'as pas pour peur prendre décision. Et sous gagner tout argument, et bien ficelé, bien mis en place pour décider. Donc voilà, moi, j'ai trouvé que grand pile échéance pour la fédération. Et so far, so good, d'accord. Pour les sélections nationales. Il y a grand pile l'autre côté, comme je dis, personne par contre ça a réglé et dans normalisation. Ouais, dans normalisation, parce qu'on était là pour normaliser et essayer de résoudre le problème. Championnat national pas joué, ça allait même nous comprendre, nous avons un gros problème pays là-dedans. Mais au niveau de préparation autour de nos sélections nationales, je peux dire que, so far, so good, donc ça va, parce que UV féminin joué à fond, et entraîné par.
Fjord Archal, il est malheureusement éliminé contre les États-Unis, mais bon, je pense qu'il était en bonne tenue. Sélection féminine senior, il passait tous deux étapes février-avril avec brio, on l'a dit 44-0. Et autour de la sélection, je pense qu'il était gagné en assez bonne organisation. Messieurs, yo, malheureusement, ils ont fait 6 mois sans jouer. Et là encore, ils ont été critiqués, fédération, hein, tout sous ça. Côté, je pense que l'équipe a fait trop de temps sans jouer match. Et comme ça, le projet n'a pas avancé. Et nous avons finalement joué un grand match. Nous jouons le contre Guatemala, mais après, nous avons fini refusant, pas qu'être en vain. Et pour des raisons parfois bidons, trouvé. Donc, et voilà. Maintenant, après ça, il y a eu 17 féminins qui a bien préparé là. Et, par contre, ça aura le bail. Les compétitions ont commencé pour eux demain. La Ligue des Nations est en train d'être préparée avec pas mal de difficultés, j'ai appris, mais il a préparé. Mais espérer qu'il y a un stage là dans le pour gagner l'un pour être performant le plus possible. C'est des adversaires à notre portée. Il faut Haïti faire 12 points sur 12 sur 4 matchs. Pour l'aborder, reste là avec tranquillité, reste là qui va venir jusqu'en mars l'année prochaine. Ensuite, là, m'a parlé de garçons et de Ligue des Nations. Ensuite, il y a une phase finale, mesdames. Et là, c'est un challenge là, parce que Haïti non poule extrêmement relevé. Haïti non poule qui gagne États-Unis, qui gagne Jamaïque, qui gagne Mexique. Moi, j'ai fait commentaire là, le soir même du tirage sur les réseaux sociaux que Haïti tirait au sort équipe qui pifoyo pas chapeau. C'est-à-dire, dans le premier chapeau, où t'es qu'à jouer le Canada, mais c'est États-Unis ou jouer. Dans le deuxième chapeau, où t'es qu'à jouer le Costa Rica, mais c'est Mexique ou jouer. Et dans le dernier chapeau, où t'es qu'à jouer le Trinidad, mais c'est Jamaïque ou jouer. Donc, ou jouer toute équipe qui est plus compliquée. Maintenant, je te dis le tout, en suspens blé, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure en première partie d'émission, pour les gens qui rejoignent tout à l'heure, qui peut-être pas attendre pour les parties, je te dis ça. C'est d'abord de la tête. C'est d'abord de la tête la préparation de match ou d'une compétition. Sou pas quoi ka gagner ou pas gagner. Ou pas gagner parce que pas fait effort nécessaire, sou pas quoi déjà ko ka battre. Ou pas fait effort nécessaire là pour al battre. Maintenant attention. Me dit d'abord c'est dans la tête, c'est mais ce n'est pas que dans la tête. C'est pas juste parce que quoi tout ka battre que ou battre. Attention, c'est pas ça m'a dit. Même je voulais dire c'est là le commencer. Victoire ou d'abord faire dans tête. Et moi content ouais des joueuses qui ont même gon position assez différente de position ont assez bonne partie du public haïtien. Gon bonne partie qui dit qui plein en pile que CONCACAF pas fait tirage, il fait plutôt on c'est placement le fait. Avait dit Lina qui prend Haïti le placer dans boule ça, il connaît il a le mettel, c'est pas trop d'ado son hasard qui met Haïti là. Bon moi même en général, moi toujours prend distance mais genre de commentaire ça yo parce que m'pa avancer ça m'pa ka prouver moi-même ça m'pa ka expliquer 1 2 3 et pour moun kap di c'est complot yo li ka complot mais puisque pas connait s'il son complot ou juste pas dit que son complot parce qu'on pas ka prouver rien pas même gain 10 qui montre que c'est complot c'est pas parce que nous la boule qui est difficile là ça aurait les probabilités hein. Et ou ka gain 11 chance sur 100 pour tel bagarre arriver puis bagarre arriver. Mais ce n'est pas parce que le rivet, non, que c'est ton complot. Oui, c'était une possibilité très mince pour ça t'arriver. Mais elle t'est arrivée. Et c'est aussi ça le hasard. Et les gens qui font une probabilité, moi-même, je ne vais pas te mentir ça. Non, dans la mathématique, là, même, je ne vais pas faire ça. Je garde qui probabilité que tu gagnes pour Haïti tomber dans la poule, ça, j'en ai tombé là-dedans. Là. Et garder par exemple par chapeau qui quantité pourcentage de chance que tu gagnes pour le joindre, par exemple. Bon, en fait, tu gagnes 50% de chance. Pour le déjoindre, chaque équipe les joigne par chapeau. Parce que son tirage est fait et par chapeau. Avec dans un premier temps, vous connaissez soit États-Unis, soit Canada. Donc, c'est deux possibilités que tu gagnes. Donc, 50% de chance. Après ça, il y a 50% de chance tout dans le deuxième chapeau, ainsi de suite. Donc, ou tomber dans le pool, ça, c'était très difficile. Mais, moi, ouais, je vous dis, vous voulez aborder le tournoi avec confiance. Et. Moi, ouais, entraîneur, que m'tendez, et en intégralité, dans yon interview, c'est ça que t'es même parlé de l'aspect communication dans la fédération, hein. Et, Delpine, m'suis bail point de vue li, m'suis reconnaître que c'est tirage qui pi compliqué, hein. Et, même, je dis, nous parler pour ça. Et moi, j'ai mis approche, monsieur, hein. Moi, pensez qu'on entraîneur, c'est qu'on s'aboie à bord des genres de défis, ça, yo. M'suis dit, li parler pour ça. M'suis dit, par inquiétude par rapport à tirage, là. Je dis contrairement à tout le monde qui a fait maintenant tête bagaille. Moi, je dis suspend plein. On a le préparé. Nous avons temps devant. On a le préparé. Par exemple, moi, sélection féminine, U17 là, qui a commencé demain,
Il fait 15 jours de préparation, c'est ce que j'ai vu officiellement et sous page Facebook Fédération. Il fait 15 jours pour préparer la République Dominicaine. Ça, c'est intéressant. Mais, bye, go équipe la préparation, ça, avec full moyen, c'est-à-dire que dans les meilleures conditions qui soient, avec tout le monde, dans le temps pour y venir. Balle préparation. Et, moi, t'as dit Delphine parler de ça. Delphine dit que, alors, monsieur cite un à un adversaire, les États-Unis sont référence dans le monde football là, c'est numéro un. Monsieur dit Mexique. À pas domicile. Attention, nous pas tenu compte de ça. Monsieur dit Mexique à pas domicile parce que tout nous après fait Monterrey. Et monsieur dit que déjà dans l'éliminatoire, Mexique t'est chargé monde d'elle dans match de jouer et à domicile. Monsieur dit que Jamaïque gon joueuse dans Manchester City. Hein, football féminin, hein. Dit Jamaïque gon joueuse dans Manchester City et monsieur dit que chaque match c'est vraiment un défi colossal. Même monsieur dit le pas attendre pour commencer bataille ça. Alors, je parlais d'un stage de 2 semaines avec, si possible, 2 matchs amicaux. Bon, moi, t'as bien aimé ça, parce que stage avec match amical, là, il est bon parce que, certes, son jour d'entraînement qu'on a perdu, le jour du match, ou pas pour entraîner le jour du match, donc son jour et d'entraînement qu'on a perdu, mais ça qui est bon là-dedans, c'est qu'au moins son entraîneur, on a essayé d'appliquer. On a essayé d'appliquer, et puis, puisque monsieur m'a dit 2 matchs, on est capable de corriger, et puis, on essayer d'appliquer encore dans le 2e match amical. Ça, c'est important. Et, je me suis pas rappelé que Gold Cup 2019, là, c'est qu'on s'alteait. Tu as eu 21 jours de préparation avec 3 matchs amicaux. Donc, tu as eu le temps pour essayer un paquet de bagages en place. Et, je me suis dit, un gros bagage que mon collègue Staffli a essayé pendant la préparation Gold Cup, ça, c'était mettre Steven Saba dans le registre défensif. Saba, tout le monde est well en vent, comme un bel milieu de terrain qui a fait belle passe, etc. Oui, qualité ça a eu là, mais M. Vin prouvait que le cas marqué tout. M. Vin prouvait que le cas en défenseur tout en deux terrain. Et il était brillant dans le rôle ça contre le Chili. Il était perdu du match ça 2-1 dans la Serena, mais ça a été l'une des trouvailles de Mancola au début dans la préparation ça. Donc, préparation longue ça, c'est pour ça eu là tout. Ouais, donc 2 semaines avec 2 matchs amicaux, Jean et Delphine Mandela. Que fédération a dégagé le bailé et parce que nous dans dernière phase éliminatoire Coupe du monde son équipe qui a fait l'histoire et nous avons opportunité en or. C'est 6 places possibles qui gagnent dans zone CONCACAF là. Nous dans top 8 là. Alors pour qui ça ne va pas viser ce top 6 là. Et c'est vrai que le parent c'est pas on va tout pour prendre jeu contre tout le monde mais on va d'abord viser top 3 dans groupe A. Hein? Et puis voilà, on peut voir pour la suite. Mais bon, Delphine va peut-être même plus loin que ça. Monsieur dit que oui, pas de match qui est plus simple que l'autre. Et on n'a pas monsieur dit que moi, mais c'est que monsieur fait connaître que dans la compétition, ça, faut parer depuis la première minute tout noir. Parce que pas gagner, t'as comme d'adou, ah, je vais perdre du match ça, ou bien je vais essayer quelques bagailles sur le match ça. Pas gagner ça là. Pas gagner ça parce que. Et d'ailleurs, on a commencé d'entrer contre les États-Unis. Ensuite, on a eu le Mexique dans l'estomac. Et puis après ça, on a eu Jamaïque. Donc, d'entrer, faut nous solide. Bon, je dis, objectif là, pas l'autre que viser les demi-finales. Ça veut dire qu'il faut qu'il finisse premier ou deuxième. C'est ça, objectif et sélectionneur, équipe féminine, senior là. Je dis, le très ambitieux. Je dis que il y a un petit rage là. Mais je dis, nous pas peur. Et monsieur même dit que adversaire ça yo États-Unis et Jamaïque Mexique yo pas content que yo gagne Haïti dans poule yo. Monsieur dit yo pas content que yo gagne Haïti dans poule yo et que monsieur dit moi tout ce que je veux voir c'est la réalité du terrain après 90 minutes. On est là pour créer la surprise. Voilà. Même monsieur parfait dans discours là pour moi-même. Bon maintenant il faut passer et il faudra passer de la parole aux actes. Avait dit fin parler on y a monté terrain délivrer marchandises là. Je vous attendais, monsieur lui-même, Élie Diafel. Donc, nous avons une responsabilité, nous, parce qu'il faudrait y avancer. Donc, voilà. C'est ça que lié. Maintenant, moi-même, je ne vais pas me dire à Josio. Donc, on est en pile qui a coûté émission 1, ou bien entourage, et la fédération, etc. Écoute. Moi-même, moi, suffisamment, à suivre le football haïtien de très, très près. Longtemps pour m'garder ça. Challenge ça, son gros challenge. Compétition a commencé 4 juillet, nous avons un titan devant nous, et tout le mois de mai, tout le mois de juin. J'ai oublié, Gold Cup 2015, football garçon, Haïti, sorti dans un groupe qui était
tirage fait, Haïti tombe dans un groupe difficile. Panama, Honduras, États-Unis. Et le tirage ça fait, d'ailleurs, Marco là, qui était sélectionné à l'époque, te gen, m'envie dit, même discours que en pile moun gen jodia pour football féminin. Je dis que c'est pas ton tirage, et lui avait raison, parce que à l'époque, c'est Francaf pas fait tirage pour Gold Cup. Par contre, si dernière édition, hein, si on te fait le même genre, mais en général, yo placé équipe, yo tout dit mes côtés équipe après le jouer. T'as comme d'habitude, c'est côté match après le fait là qui dirigeait tirage là. Mais son tirage entre guillemets, parce que monsieur était là les ça, dans la salle côté tirage là t'as fait là en 2015, et monsieur dit que c'est pas ton tirage. Maintenant, là le c'est pas ton tirage. Après ça, monsieur dit tout que et organisateur semblait pas vouloir Haïti dans le deuxième tour. Je me souviens ça, monsieur t'a dit ça. Parce que pour là, c'est très difficile. Parce que États-Unis devant, Honduras devant, Panama devant dans le football. À l'époque, là on est en 2015. Mais qui s'arrive? Malgré tes gains, on place quart de finale possible côté Cajouen en étant meilleur troisième. Haïti finit deuxième dans le boule ça. Haïti fait une deuxième dans le poule là. Il bat Honduras. Il fait nul contre Panama. Et puis nous perdu contre les États-Unis. Pendant nous jouons bon football. Et puis nous qualifier pour les quarts de finale. Ça veut dire que. C'est pas parce que Barrel apparaît difficile ou bien parce que l'app difficile en réalité. Et puis pour back down, pour faire back, pour molly. Non. Parce que. Game non, c'est ça lié même. Et là, on va parler de football garçon. Même qu'après football, mesdames, yo tout, équipe U20 dans le mondial. En pile, nous, mesdames, yo, nous connaissons ça, nous vivons. Li. Mais, faut que nous te battons Canada, oui, pour nous dans le mondial. Et bien, ça qui passe, nous battons battre. Mais Canada n'a rien pour Haïti dans le football féminin. Non, yo get toute installation nous connaissons. Canada sont top team à travers le monde. Mais nous te gagné. Nous battons. Donc, bah là, c'est. Écoutez, c'est dans nous-mêmes liés en vain. Et dans. Ou pour le jouer, d'ailleurs, c'est ça que belle dans le sport. Souterrain, on va battre tout même. Bon, après, on a perdu ou perdu. Parce qu'il faut que les gens qui gagnent, les gens qui perdu, ou bien qu'il y ait un match nul. Et puis, ok, on accepte le résultat avec dignité, mais sachant que tu as tout donné sur le terrain. C'est ça, mindset là, c'est ça, état d'esprit là, à l'approche de dernier tour qualificatif. Ça, m'a parlé nous là, de, nous n'avons pas bon Coupe du Monde. Gros équipe là, parce que j'aime faire Coupe du Monde. Haïti, pour que j'aime qualifier dans Coupe du Monde senior, féminin. Et je me suis dit, il y a une opportunité en or, parce que contrairement à Mondial en 20, côté CONCACAF là, tu es toujours bail 4 qualifiés. Là, bail. Alors, côté CONCACAF là, tu es toujours bail 3 qualifiés. Là, non seulement il y a 4 qualifiés directs, mais il y a 2 lots qui ont passé par les barrages. C'est-à-dire, les troisièmes dans chaque groupe, ils ont joué un barrage intercontinental. Donc, on a une chance extraordinaire là, à la bataille pour une saisie. Et ok, le hasard fait que nous tombons dans une poule extrêmement difficile, mais il n'y a pas de souci. C'est difficile, on va se battre. De toute façon, c'est pour aller en Coupe du Monde, on va pas blesser, puis il y a pour passer. Et je me connais nous-mêmes et puis il y a eu, mais. Non, faut nous accepter le challenge. Là. Et par exemple, je vais regarder la Ligue des Champions qui va arriver la semaine prochaine et que je vais regarder depuis deuxième tour à entrer là. On prend l'exemple du Real Madrid. Mais Real qui est Paris Saint-Germain en 8e de finale. Après ça, elle tombe sous qui est-ce? C'était compliqué. Chelsea, champion en titre. Il n'y a pas celle. Kounia, il est tombé sous City. Mais qui s'est passé là? Il n'y a pas de problème. Gonfler vers nous pour champion. Et si on passe City, il pourrait tomber soit Liverpool, soit Villarreal. De toute façon, ça sera du solide. On dit que c'est Liverpool. Ça veut dire, imaginons une équipe obligée de passer Paris, Chelsea, City, Liverpool pour le champion. Mais ces routes-là. Que veux-tu? Voilà. Donc, allez, t'as l'occasion de retourner sur le football féminin senior. Là. De toute façon, c'est pas l'actualité, je vous dis à là, même parce que c'est important que. Nous sensibiliser tout le monde sous Rolio et la fédération particulièrement sous Rol pour l'encadrer l'équipe ça et préparer. Et puis, last but not least, U20 garçons, là encore, son lot de travail pour la fédération haïtienne de football. U20 garçons, après entrer en compétition le 18 juin, eux-mêmes. Donc, imaginez-vous bien, Anessa,
il y a U17 féminin, il y a U20 féminin, il y a senior féminin, il y a U20 garçon, il y a senior garçon, il y a tout tes gains échéance par eux. Haïti est présent dans toute compétition, ça, c'est une bonne chose. Et donc voilà, U20 garçon, 18 juin pour 3 juillet, je suppose à l'Honduras. C'est Honduras qui a accueilli l'événement. Tout le monde a flané à plat d'année. Et Haïti est en pour lui. Haïti est pour le Mexique, il est pour le Trinidad, il est pour le Suriname. Trois premiers ont qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà, l'équipe ça, il est pour le grand entraîneur. Il est pour le grand entraîneur. Il y a plusieurs noms que tu as cités récemment. Et il y a testé dans Natou, il y a testé dans Bitello Jean-Jacques, Jean-Marc Alexandre, etc. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tendre pour me connaître qui est capable d'aller entraîner l'équipe U20 masculin hein, et qui gagne rendez-vous tout en juin. Donc imaginez-nous, en juin seulement, tu as sorti dans l'équipe garçon hein, le 4, du 4 au 14. Après ça, on va prendre 4 jours après dans U20 garçon. Début juillet, quand U20 garçon finit, on va tout entrer dans U20 féminin, pardon, dans senior féminin. Bref, ça ne s'arrête pas. On propose, on va tourner à l'heure. Ou même qui t'es toujours souhaité gagner une bonne connexion internet, jodi a moi pote yon bonne nouvelle pour vous. Aynet, pi gros compagnie internet pays a, pote pou ou un spécial mauvais sous ti boîte mobile là. Pour seulement $60, Aynet a ba ou 2 mois internet ak tout équipement gratis. Oui, j'entendais là. 2 mois internet pour naviguer, jonvler, lovler, kotovler pour seulement $60 et puis wap tout gen équipement gratis. Non! Ça pas en spécial, ça son PI ak Aynet, ou ap toujours fait décabès net. Fin faire expérience Aynet là. Passez dans bureau Aynet qui pi pro là pour capable jouer PI 2 mois internet ak tout équipement gratis là. Pour plus d'informations, relève 2942, visitez site internet nous en www.aynet.ht ou capable écrire nous tout sous page réseaux sociaux nous. Aynet, c'est ça net. À 350 gouttes par année, gon paquet de services disponibles kay agent autorisé Unibank tout côté. Ou ap jwenn tout dépôt gratis, tout retrait gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois. Et puis pour seulement 10 gouttes, ou ap ka voye transfert by famille ou ak zami ou. Moun ka presevwa la, pas même besoin payer yon pias. Depuis li gen 4 tout côté par là, service la relé transfert sous 4. Imaginez tout avantage ça yo pour seulement 350 gouttes par année à 4 Unibank tout côté par là. Vin joindre nous tande, on fait route là ensemble. Pour plus d'informations, relez dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 dièse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Giovanna, natif natal Port-au-Prince et m'a travaille dans service clientèle Lisaloto. Pour année 2022 ça cap rentrer là, moi déjà content pour toute belle opportunité cap tande moi, cap tande chaque grain dans nous et moi reconnaissant pour la santé que nous toujours à bénéficier. On nous continuer goumen pour plus belle cadeau nous qui c'est la vie et songer tout ça qui positif qu'on t'a remis qui rive ou, c'est ou même qui pourra aller toute bon énergie ça au sou. M'a souhaite un joyeux nouvel an ensemble avec toute famille. Lisa. Pinson S.A. combat du feu, mais c'est pour une compagnie pompier lié. Ou les pompiers les du feu prend la caillou, ou les pinsons pour du feu pas prend la caillou. Les rivets li inspecté Kaila depuis fondation jouk nan fetay, et puis il dit tout côté nan Kaila du feu qu'a prend et qui ça pour changer pour mal ça pas arriver. Pinson S.A. gen 25 ans sous terrain. Li gen ti business, gros business, ti l'école, gros l'école comme client. Pinson S.A. di, pito se volek passe se pa di fe. Vole a pran sal kapote. Di fe a dévoré tout bagay sou place. Et sou bêtise, l'ap dévoré la vie ou tout. Pa jouak di fe. Balon bois long kembe. Rele spécialiste la, rele ti pinson tête nob. Pour la 12e année consécutive, Groupe Croissance organise du 25 au 27 avril 2022 le Sommet international de la finance. C'est désormais un important rendez-vous annuel pour discuter de finances publiques, de financement monétaire et bancaire et de la nécessité de l'établissement de marchés boursiers
pour supporter la performance des entreprises haïtiennes, toutes catégories confondues et dans tous les secteurs, pour une croissance économique soutenue et inclusive. Après 3 années consécutives de contraction du produit intérieur brut, ayant conduit à une augmentation continue du taux de chômage et de fortes pressions inflationnistes, Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et Profin, ont choisi le thème « Financer les micro, petites et moyennes entreprises » dans le but de donner un nouveau souffle à l'économie haïtienne. Du 25 au 27 avril 2022, la 12e édition du Sommet international de la finance sera tenue autant en virtuel qu'en présentiel dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, contactez le 29 42 25 25 28 11 78 27 et le site internet de l'événement www.haitisommetfinance.com. Ce sommet est patronné par la Banque nationale de crédit, le ministère de l'économie et des finances, la Direction générale des impôts, la Banque interaméricaine de développement, Papyrus, Projet Atteindre USAID, Sofides, Hôpital Notre-Dame, Dev Haïti, Magic 9, Télé 20, Radio Ibo et Radio Télémétropole. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Suite émission Sportmania bonus week-end sur Radio Ibo. On a parlé de football en Angleterre, Kounia. Hein? Football en Angleterre parce que gagnait championnat qui jouait matin. Hein? Et moi regardé un match vraiment très riche, très mouvementé, très intéressant entre Manchester United et Arsenal. Le genre de foot qu'on veut voir tous les jours. Le genre de match qu'on veut voir tous les jours parce que t'es gain intensité, très bon niveau technique, t'es gain goal, t'es gain passion la caille fanatique yo, t'es gain rebondissement. Bref, t'es gain boule. Arsenal bat équipe Manchester United dans l'Emirates Stadium nan, et match ça fini 3-1 et j'en dis là matin hein. Et coach Manchester United là, Ralph Rangnick, monsieur était décidé de mettre Maguire sous banc dans match aujourd'hui. Il était commencé avec Lindelof en défense centrale et puis aux côtés de Lindelof, il y a Rafa Varane. Et puis Diego Dalo était l'est et arrière latéral yo. Et un match qui était comme dit, il était un goal. Match là commencé bien bonheur. Avec Alex Telles et Varane, deux necks au fond fly, ils ont chaque fond fly en carrière. Et qui était by PI à Arsenal, qui était ouvert score depuis vraiment grand matin. Troisième minute de jeu, Nuno Tavares, monsieur fait goal là. Après, j'en dis là, deux dégagements ratés successivement par Varane et Telles. Et puis Tavares fait goal là. On dit que. En vent, là, Saka font shoot que David De Gea a dégagé. Et puis, Boulan rentre dans le camp. Donc, voilà. Et United, donc, est rentré très mal dans le match là. 1-0 s'est arrêté là pendant un bon temps. Jusqu'à ce que 2-0 après la fête, dans la 32e minute. Mais avant 2-0, United, quand même, joint quelques occasions d'égalisation. Parce que Napsongé, Bruno Fernandes raté en 1 contre 1 après un erreur de relance de Ramsdale, le portier des Gunners. Et monsieur mal fait dégagement pas aller aussi loin que monsieur était espéré, et puis Boulla vient joindre et Bruno Fernandes qui malheureusement prend temps. Peut-être que ça surprend monsieur que Ramsdale voue ballon en pied, mais le Boulla vient dans pied monsieur, il pas réagi, Jean-Boulla réagi et puis dans dormi sous action hein. Et Gabriel Guetta tourné et taclé in extremis pour bloquer shoot Bruno Fernandes là. Ça c'est une bonne occasion. Et alors faut me dire que Ramsdale là, c'est ce qui arrive aussi, l'entraîneur
bail goalkeeper yo libre choix pour yo élaborer à partir de l'arrière, c'est son nouveau football, son football antigène différent par rapport à ce qu'on connait avant. Mais je dis à goalkeeper yo dans certains profils yo jouait en joueur de champ. Ramsdale avec Mikel Arteta, c'est ça. C'est un football qui doit prendre soin pour bâtir depuis la défense. Et goalkeeper à la défense là, donc il fait partie de ça. Mais maintenant, en jouant comme ça, ou il y a un risque tout quoi prend et n'a perdu du temps avec ballon, etc. Donc, monsieur perd du temps, il fait dégagement qui n'est pas de bon, et puis Arsenal, t'es qu'à prendre un goal sous action. United dégage pour laisser égaliser, j'aime t'as dire. En plus de Bruno Fernandes, il y a eu cette frappe de Dalot sur la barre transversale de Ramsdale. T'es qu'on a une belle action United, tout, plusieurs passes qui étaient finies par un shoot de Cristiano qui t'a le tête camp. Cristiano qui était retourné dans 11 de départ Manchester United là. Donc on a monsieur perdu en petite lit et récemment à l'accouchement. Donc bagaille ça fait que monsieur pas joué dernier match là, li retourné là et li t'a gagné occasion ça. David De Gea, parce que c'est pas seulement Manchester United qui était passé tout près goal 1 à 1 et équipe nationale là plusieurs fois tout l'ITK fait 1-0 et pardon l'ITK fait 2-0. David De Gea a fait au moins 3 gros arrêts en premier mi-temps ça, et gagne une particulièrement et face à Odegaard en fin premier mi-temps. Et puis il y a eu ce but qui est arrivé pour équipe nationale là, je t'ai dit là, à la 32e minute de jeu, au goal de Bukayo Saka sous penalty. Alors action ça, il commençait d'abord par une passe de Odegaard pour Saka qui font coup de tête. Mais sous action, sous coup de tête Saka, Alex Telles fait faute sous Saka, mais action continuée et Nketiah mettait ballon en encore. Bon, goal 2-0 et mon national a fêté, stade crasé, et puis ensuite vidéo a vint faire apparition. Va checker pour garder si pas de gagner position avancée, pour garder toute l'autre action qui était irrégulière et sous goal là. Yo voit que un Nketiah hors jeu. Donc goal annulé. Mais que sous même action, Alex Telles a bousculé et Bukayo Saka. Le moment où Bukayo Saka a fait coup de tête là. Et comme étant donné faute là faite en vain, position avancée ça, donc arbitre a dit pénal. Et alors c'est ça que l'élève va là le checker au jeu. Et puis le Van Wagay il pat même dans un premier temps destiné pour le tal faire. Parce qu'en réalité, voilà, il garde signé au jeu sur action. Et puis, il garde signé au jeu, il voit que tu as une faute. Donc, il n'a pas juste annulé le goal et puis bail Manchester United ballon. Il a annulé le goal, mais il a bail penalty pour Arsenal. Et puis, Bukayo Saka fait goal pénal là, 2-0. 2-0, 32e minute. Et puis, deux minutes après, United réduit l'écart par Cristiano Ronaldo. Et il y a deux nègres derrière dans la défense nationale, Gabriel et Tavares. Tavares, même passif net. Gabriel, même au moins, je te font tiquer avec Cristiano pour nuit, mais il n'y a vraiment pas de bon défensivement sur l'action. Il a quitté Cristiano passé dans le mi-temps. Et puis Cristiano fait goal là, pied gauche, et c'est un bon centre de Matic. C'était 2-1 à ce moment. 2-1 score à la mi-temps, Arsenal menait. United gagne quand même, sous premier mi-temps, deux actions qui étaient cabales et penalty. M'a songé en faute de Tavares sous Elanga, déstabiliser le dos. Bram, monsieur Tontijan déséquilibré et jeune attaquant Manchester United là, mais habite là pas de bail penalty, il va pas trop garder rien. T'es gagné tout en attaque de Sancho, côté t'es gagné main de Cédric Suarez pendant le tap tombé, mais en bloqué boule là, mais bon, habite là pas estimé que c'était une action valable pour penalty. Et moi, quoi que gagné depuis quand même un an, tellement de modifications qu'a fait dans le jeu là, qui dit que soit à terre, et que vous mettez mon comme si pour un appui à terre, parce qu'on ne peut pas tomber bloc sous l'estomac, il ne faut pas arriver choc là, et que si son main consacrivé, il n'est pas pénal. Il n'est pas pénal, en Espagne, il a appliqué déjà, et il n'est pas pénal. En Angleterre, probablement, c'est ça que fait l'arbitre là, fait mes yeux sur l'action ça. Donc, action et pas de bain, donc 2-1 à la mi-temps nationale menée, et deuxième mi-temps, c'est Manchester qui prend le gros occasion pour le faire 2-2. Avec un main de Tavares en Dakaré à son coup de tête de Manchester United. Et puis pénal. Pénal, Bruno Fernandes prend boule. En fait, Cristiano baille M. Ballon. Cristiano baille M. Ballon. Gagne quand même un. Je vais regarder le match à matin sur RMC Sport 1. Et il y a une caméra
en permanence sous Cristiano Ronaldo et le regarder action et voir que Cristiano était volontairement bail monsieur ballon dit monsieur joue pénal là. Bon, Cristiano, il faut savoir que monsieur il y a deux bagages qui a expliqué ça parce que normalement et Cristiano c'est lui qui joue pénal à United. Avant c'était contre toujours Bruno Fernandes et donc il y a deux bagages qui a expliqué. Le premièrement, c'est Cristiano a sorti dans une période difficile avec la mort et petite Lia et deuxième bagarre, c'est effectivement, il s'est bâillé Bruno Fernandes confiance tout. Balle confiance, c'est-à-dire, et d'elle reprendre forme. Ni. Bruno Fernandes, sous son aigle qui s'agit quelques temps, il fait un accident, il était indisponible pendant longtemps. Et il se trouve que M. raté match là, M. raté pénal là, mais il n'y a pas que ça sur le match de Bruno Fernandes. M. voit pénal là sous base poteau droite Ramsdale. Donc, match a été 2-1 à l'avantage national. Ramsdale qui fait un gros match, tout, hein, ça a été vraiment une énorme performance de goalkeeper national. Là. Monsieur Tekon Boule en foot de Dalo. Et, vraiment, ça a été spectaculaire. Monsieur fait un réflexe exceptionnel, main gauche, pour le ballon sous poteau. Hein, c'est un énorme save. Et Arsenal vient de subir match là tout après ça. Hein, Manchester United monté sous yo, bousculé yo, raté plusieurs goals. Vient grand fil faute tout dans match là. Match là a été entrecoupé et match accroché. Et puis bon, Arsenal prend libérer un peu avec ce but de Granit Xhaka. Granit Xhaka fait goal 3-1 à la 71e minute. Vraiment belle shoot. Vraiment belle shoot. Il y a une bagarre qui tue Manchester sous action, ça, c'est que, on gagnait deux joueurs qui étaient, une sous l'autre. Et on va parler là de Nketia et Lindelof. De Negio, ils ont barré champ de vision David De Gea. De Gea, pas ouais, boule là. Il n'y a pas ouais, boule là, dans le moment, gagné Jacob shooté. Et on replay qui est vraiment beau action clair, qui montre côté David De Gea, penché tête li pour l'ouais, boule là. Parce que si le kawe boule là, au moins la kawe côté boule là, bralé, position joueur, etc. Mais le pawe ça yo. Et je suis obligé de pencher pour l'ouè, côté boule là, dans penché là. Et je suis penché sous bord droite li. Et voilà que shoot la fête sous bord gauche li. Donc, non seulement je perds un temps à regarder côté boule là, shoot get a fait. Et puis, le coup n'y a là, je reprends pour rebalancer sur l'autre bord à le plonger. It was too late. Il était trop tard. Donc, M. prend goal là et ça, c'était 3-1 pour Manchester, pardon, pour Arsenal. Bon, entraîneur Ralph Rangnick, M. Lagué, colle dans la bataille. M. rentré Rashford, il monté Lingard, il monté Mata. Et tout ça, après goal là, après goal 3-1. Bon, c'était le premier changement Manchester United fait tout. Rien pas changé et Arsenal bat match là à domicile 3-1. C'est un choc au sommet dans la bataille pour top 4 là. Et United raté et examen ça. C'est une défaite qui a quitté trace parce que là, l'obgard des classements, on a dit que c'est très compliqué maintenant pour Manchester United de faire Ligue des Champions. Et je vous dis, la réalité, c'est quoi? C'est que vous gagnez Arsenal qui plus que jamais quatrième, vous gagnez 60 points, vous gagnez Tottenham qui gagne 58 points, et vous gagnez Manchester United qui gagne 54 points. Alors, dans le cas de Tottenham, on dit qu'il y a joué dans un moment côté n'a pas là. Et bon, on ne saute pas, parce que même nous, on ne sait pas comme résultat final. Mais dans le cas de Arsenal lui-même, qui gagne 60 points pour 33 matchs joués, United gagne 54 points pour 34 matchs joués. Ça veut dire que United a un gros déficit là. D'une part, il y a un match en plus Arsenal. Et d'autre part, il gagne quand même 6 points de retard par rapport à Arsenal. Il restait 4 journées seulement pour Manchester United. Donc, l'on regarde bien, on voit que ça va être très compliqué pour United de faire Ligue des Champions. Et match aujourd'hui, t'es doué ou lancé ou dans la bataille. Ça. Parce que si on était battu Arsenal, c'est le genre de match qui aurait les matchs à 6 points, côté son rival direct pour l'objectif là, l'objectif du top 4. Bon, là, c'est compliqué. Et les prochaines journées de Manchester United, attention, il y aurait pour jouer contre Chelsea. Il y a joué contre Chelsea le 28 avril. Donc, voilà. Très compliqué. Et bon, maintenant, United get tête lit tout quelque part sur la prochaine saison, parce que ce qui va arriver, c'est qu'il y a aussi officiellement Eric Ten Hag, et c'est nouveau entraîneur. Monsieur, c'était dans Ajax Amsterdam, il fait du bon travail, deux fois champion de Hollande, et il est capable de continuer de tourner ça, parce qu'il a mené un championnat. Et il y a parlé de 140 millions déjà qui est disponible pour investissement dans un renforcé effectif. Et hors vente, ça veut dire. Sans compter si au 20 joueurs, ils sont capables de mettre et réinvestir dans le projet Ten Hag pour lancer. Et on parle de vraiment refonte de l'effectif et
sous plusieurs dans plusieurs lignes. Ouais, dans plusieurs lignes. Bon, Rio Ferdinand gon bagaille lui-même li vin avec lui, 6 points pour relancer et machine équipe Manchester United là. Dans 6 points ça yo, monsieur parler de culture club là. Hein, monsieur parler de culture club là et faut que vraiment mettre accent sur ça, monsieur parler de améliorer recrutement. Monsieur parler de faut que on reset total, une sorte de redémarrage de structure et cap diriger à faut que on un style de jeu très clair, c'est ça Rio Ferdinand proposé, faut qu'on style de jeu très clair et puis écoute les jeunes bah au chancio et puis monsieur parler tout de développer joueur. Je crois que 6 points ça yo c'est des points de travail pour Eric Ten Hag et Cap Vinila. En tout cas, Manchester United, déjà dit l'a perdu. Je me rappelle que gagner un autre bord, Manchester City qui est même bat matin. City bat Watford 5-1 avec un quadruplé de Gabriel Jesus. Bon, Gabriel Jesus étincelant ce matin et efficacité on top. Je fais 4 goals. Premier goal là, depuis la 4e minute de jeu, c'est un passe décisif de Zinchenko. Deuxième goal là, la 23e, son goal tête, son centre de Kevin De Bruyne. Troisième goal, je fais à son goal penalty, faute la fête sous lui même. C'est goal qui peut Watford la fait faute sous lui. C'était début deuxième mi-temps, goal ça arrivait. Et dans la seconde notée, hein, seconde match. Deuxième mi-temps, peine laguée, et puis monsieur joue une pénalty ça. Et puis, il fait un quatrième goal, et encore sur passe de De Bruyne. Donc, De Bruyne a assisté monsieur sous deux dans quatre goals liés. Voilà, impressionnant. Et Gabriel Jesus ce matin, il était passeur décisif tout, Gabriel Jesus, pour le but spectaculaire de Rodri. Rodri font un superbe goal, goal 3-1. On a amorti pour déposer boule là à terre, et puis monsieur met en roquette. Exceptionnel, frappe à longue distance, un peu tant coup ça Granit Xhaka fait et matin. Sauf que pas Granit Xhaka, Boula, pas vraiment en mouvement, monsieur juste rangé ballon, les mettez missiles là. Mais là, Rodri, son boule qui est en l'air, Rodri déposé à terre, et puis monsieur mettez gros maman pain bas. Voilà, City, bat Watford 5-1, et City, sûrement dit, eh ben, Liverpool, mais Boulou, jouez. Liverpool a joué. Et dans la journée, ça a tout. Liverpool nous connaît qui nous course, qui nous bataille avec Manchester City pour le titre en Premier League. Liverpool a joué demain dimanche, là, 11h30, contre Everton. Mais ça pas jamais facile, son derby lié d'ailleurs, le derby de la Mersey. Donc voilà, et à voir ce que ça va donner. Nous pas dit trop de bagages sous Ligue des Champions, qui a privé semaine prochaine. Nous t'ai dit ça, les demi-finales au programme mardi. Et mercredi, tout de match à 3h, on a eu l'occasion de retourner sur eux. City contre Real Madrid mardi, la CAI City, et Liverpool-Villarreal mercredi, la CAI Liverpool. On va dire plus sur ça. Et puis dans NBA, bon, on est capable de dire que la réalité, c'est que Golden State est pratiquement qualifié pour les demi-finales de conférence. Et côté, ils sont capables de croiser. Parce qu'il y a mené 3-0 sous Denver. Il y a qu'à croiser Memphis ou Minnesota. C'est Memphis qui a mené dans la série ça. Milwaukee 2-1 sous Chicago. Hier, Milwaukee crasé équipe Chicago. Victoire 30 points de différence. Et donc, pas besoin de dire non. Et malgré que Chris Middleton n'est pas présent pour l'équipe Milwaukee Bucks, Chicago pas à la hauteur. Et puis, bon, Asoya, Boston-Brooklyn. Nous t'ai dit le titre, c'est quasiment un do or die pour Brooklyn parce que Boston a mené 2-0. Bon, est-ce que Kyrie et KD capable excellent à Square en même temps pour bailler Boston en chance et pour bailler Brooklyn pardon en chance et pas gagner ou pas boire. C'est ce qu'il faudra faire et malheureusement sur les deux premiers matchs, on n'a pas vu le meilleur Kevin Durant. Premier match là, Kyrie était très bon, mais deuxième match là, il plongeait. Et Boston super en défense et il a pas exécuté offensivement bientôt. Ça s'annonce très compliqué. Et puis Golden State lui-même 3-0 sous Denver. Bon, Golden State semblait plier adverser ça et plus vite qu'un peu le monde était pensé. Et Denver gagne MVP, c'est vrai, mais la meilleure équipe et équipe qui est plus amenant, pas de doute sous la série ça, c'est Golden State qui semblait sur route pour retourner en véritable machine avec Draymond Green leader vocal là, mais autour de lui Jordan Poole, Curry. Et Klay Thompson, vraiment et du grand basketball. Donc voilà, et merci à tout le monde qui t'a suivi. Bonus là pour Jodia qui c'est 23 avril. Absolument, passez un bon samedi. Demain, c'est dimanche, et donc passez un bon week-end.
puis rejoindre encore plus nouvelles sous sport, encore plus analyse dans Sport Cibo à Soya à partir de 6h. Bonsoir tout le monde. Samedi, retrouvez Jean-Pierre Etienne dans Sportmania Bonus Weekend.